et rendons-le avec l'année dernière le critérium plus opiné. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur cette 64e Flèche Wallonne, ici à Huy. Et nous allons vivre ensemble en direct cette course. Et vous voyez d'entrée que deux hommes sont en tête, et c'est le cas depuis le kilomètre 37. Et il s'agit du Lituanien Rumsas avec le maillot blanc. Et dans sa roue, vous le voyez, Christopher Bortmann qui en est à sa... probablement à sa dernière saison, Christopher Bortmann, que vous voyez là, qui est le recordman de l'heure, toujours pour le moment. Et ces coureurs sont au pied de la deuxième des trois ascensions du mur de Huy, Rumsas Bortmann. On va découvrir cela ensemble. Très, très, très longue échappée pour ces deux hommes. Avec nous, comme d'habitude, Jean-Luc Vandenbroucke. Jean-Luc, bonjour. Bonjour. C'est un petit peu le lot de cette classique qu'est la Flèche Wallonne, des attaques très très tôt et deux sacrés rouleurs ensemble. C'est peut-être un peu le chant du cygne, le dernier grand coup de Christopher Bortmann. C'est-à-dire que pour Bortmann, c'est un coureur qui est sur le... Je vais dire, il a son avenir derrière lui et bon, certainement qu'il a les consignes de son directeur sportif pour essayer de faire une échappée au long cours et pour l'instant, il a réussi cette tentative. Et vous voyez donc Bortmann qui se trouve là. On a vu sur la fin de la première ascension tout à l'heure que Bortmann était un petit peu en difficulté par rapport à Rumsas. Rumsas très méconnu, ce Lituanien âgé de 28 ans. Qui en est à sa cinquième année professionnelle, mais qui compte déjà 24 succès, tous acquis dans la petite équipe polonaise Mroz. 6 victoires en 96, toutes des victoires en Pologne. 2 victoires en 97, avec notamment la Commonwealth Bank Classic, une étape en tout cas. Et puis en 98, 6 victoires de nouveau, 2 étapes à la course de la paix, une étape du Tour de Hessen, 3 étapes à nouveau à la Commonwealth Bank Classic. Et enfin, 10 victoires l'année dernière, dont le classement final, la semaine bergamasque et le chrono, c'est déjà mieux. Une étape du circuit des mines, une étape de la course de la paix, une étape du Tour de Grande-Bretagne, justement le pays donc, de Christopher Bortmann. Vous voyez la foule, le monde, énorme, énorme, énorme. Jean-Luc, c'est une des choses qui vous a le plus impressionné en arrivant, c'est la foule dans le mur de Huy. Oui, je suis ici avec ma voiture personnelle, je veux dire, j'ai dû vraiment me créer, essayer d'avoir un passage au travers la foule, c'était vraiment impressionnant, ce mur de Huy, c'est comme l'Alpe d'Huez, j'en avais la chair de poule. Et on voit les deux coureurs qui se trouvent là, et qui sont en train de gérer leur effort. Une petite impression, Jean-Luc, sur ces deux hommes. Bon, bien sûr, l'impression, ce ne sont pas ces coureurs-là qu'on va voir dans la dernière ascension pour la victoire finale. Mais tactiquement, ils appliquent leur consigne à la lettre, et à savoir d'être devant quand la grande bagarre va se déclencher derrière. Ils seront encore devant et ils pourront peut-être encore donner un coup de main à leur leader. Voilà, c'est aussi intéressant. Il faut savoir que dans cette équipe face à Bortolo, qui est quand même l'équipe d'un certain Ferretti, qui avec Ariostea ou avec Gevis, ici a déjà fait quelques trucs pas mal quand même dans le... Ou pardon, avec MG, a déjà fait des trucs pas mal ici dans le coin. Et c'est vrai que Ferretti a des leaders qui sont notamment Belli ou Frigo. Et qu'il y a peut-être aussi dans l'équipe de Roger Leger un garçon comme Jens Voigt qui est en bonne forme et qui se trouve dans une position d'attente intéressante. Mais donc ces deux hommes nous font un véritable récital, Bortmann et Rumsas, qui passent juste devant nous. Voilà, quelques mètres encore avant de franchir pour l'avant-dernière fois cette ligne d'arrivée. Mais le plus dur pour eux commence seulement maintenant, puisque, et c'est peut-être à mon avis l'information du jour, à cet endroit-ci, il reste 91 km encore. Oui, c'est encore très très long. C'est plus de 2 heures de course. Et... avec les difficultés concentrées dans la dernière boucle, donc ça nous promet une rude bagarre derrière. Mais pour ces deux coureurs-là, ça sera très difficile. Mais tactiquement, pour leur groupe, c'est intéressant au niveau de leur leader. Alors, entre-temps, que s'était-il passé? Eh bien, au tour précédent, 4 coureurs s'étaient extraits du peloton, se trouvaient juste, si je puis dire, entre ces deux hommes de tête et la tête du peloton. 4 coureurs, donc, qui étaient détachés. Et on avait notamment pu assister à la présence dans la roue du meilleur d'entre eux, l'Espagnol Vicario. Il y avait également Philippe Voré, qui s'était illustré aux 3 jours de la panne et qui appartient à l'équipe de la ville de Charleroi, qui se montre énorme.
Laure Brémond qui est évidemment très motivé, survolté je dirais, Philippe Verhaegh qui, comment dirais-je, était dans le coup, comme l'a été d'ailleurs Laurent Pilon ou également Grégory Barbier depuis ce matin. L'homme que l'on trouve ici en gros plan maintenant appartient, vous l'avez vu, à l'équipe Mercatone. Il s'agit de Michele Coppolillo, son leader Marco Velo, et dans sa roue un équipier de Davide Rebellin que nous allons découvrir ensemble maintenant. Il s'agit en fait de Marquezine, voilà, Marquezine, équipier de Rebellin, un coureur très élégant, de coureur que l'on découvre donc ici. Michele Coppolillo, figurez-vous que c'est le compagnon favori de Marco Pantani. Ils sont dans la même équipe, c'est à la demande de Pantani que Coppolillo est venu dans cette équipe. Et il faut savoir que, bah oui, ça nous fait penser à Pantani qui n'a toujours pas couru depuis la fin du Giro, ça fera bientôt un an. La situation est assez catastrophique de ce côté-là. Et sans rentrer trop dans les détails, sachez simplement qu'ils sont vraiment très amis tous les deux et que l'hiver, d'ailleurs, Coppolillo accompagnait, je crois qu'il faudrait dire maintenant, son grand ami Pantani à la guitare dans les bars où ils chantent ensemble. Pour le moment, il y en a un qui fait du vélo et l'autre qui est un petit peu perdu dans la nature, et c'est bien dommage. Vous voyez, l'équipe Cofidis, parlant que de peloton, l'équipe Cofidis où on plaisantait ce matin, ça faisait plaisir à voir après tous les malheurs. On plaisantait dans la mesure où personne n'accepte le statut de leader désormais parce qu'il porte malheur. D'abord, ce fut Vandenbroek, puis ce fut Plancard, puis Matane, puis Peers, et chacun a toujours quelque chose. Vous voyez, les écarts énormes, 11,42 pour Marquezine et Coppolillo et 12,2 pour le peloton. Il n'est pas question encore de s'inquiéter, mais enfin, il faudra tout doucement que les équipes qui ont l'ambition se mettent à engager la poursuite. Ce sera probablement le mur de Wii qui va déclencher cela, non? Oui, je le pense bien. Maintenant, on va arriver ici au mur de Wii et certainement qu'on va voir les leaders, vraiment les vedettes du peloton essayer de faire quelque chose dans ce mur. Maurice Loiseau a enregistré quelques images ce matin. Si on a le temps, à condition bien sûr de ne pas rater, mais on a le temps, on a encore 5-6 minutes avant que ces coureurs arrivent, je crois qu'on peut regarder ce qui s'est passé ce matin au départ pour avoir quand même quelques informations, et puis on vivra en direct puisque ça ne bouge pas la montée du mur de Wii, où là ça risque d'être très intéressant parce que je pense que les favoris vont certainement contre-attaquer ou lancer la contre-attaque dans cette deuxième ascension du mur de Wii. Oui, l'offensive va être déclenché certainement ici à ce passage-ci, donc ça sera très intéressant de voir le comportement des leaders. Ces images enregistrées ce matin à Charleroi, le départ était donné boulevard Joseph Thiroux. Départ à 10h55 et la procédure de départ, vous voyez d'ailleurs la plupart des protagonistes, beaucoup de monde, Oscar Kamenzind notamment qui se trouve là-bas, et puis l'équipe du Crédit Agricole avec bien sûr Bobby Julie qui n'est pas encore à 100%, la fameuse équipe Cofidis où se trouve notamment Farazine, c'est le seul qui était dans le top 30 de Paris-Roubaix et à être encore là maintenant, il faut le faire. Voilà un des coureurs dont on parle le plus, Davide Rebellin, attention à lui, toujours classé, rarement vainqueur au printemps, et le dossard numéro 1 pour Axel Merckx. C'est la première fois de sa carrière que ça lui arrive. Il porte le numéro 1 comme chaque année, et puis on verra. Comment vous sentez-vous? Ouais, je me sens bien, mais on verra en course, hein, ça va se décider comme ça en course, parce que par avance c'est difficile à dire. C'est une course très ouverte, hein, il n'y a pas vraiment un favori désigné, tout le monde a un peu sa chance. Bah, disons qu'il y a toujours des favoris, il y a Jalabert, il y a Bogert pour commencer, et puis il y en a encore quelques-uns derrière. Donc on verra comment se déroulera la course, mais sur le mur de Wii c'est toujours le meilleur qui gagne. Donc. Vous êtes le leader de l'équipe? Un des leaders. Présentation. Axel, merci. Et pour les questions de mon confrère Benoît Liénard, présent ce matin avec toute son équipe à Charleroi pour récolter ses quelques impressions. L'équipe de Bogert, attention à lui, c'est certainement des favoris comme Jalabert. Au choix, une première personne à Liège, sans doute. C'est ici pour préparer Liège alors. J'ai pas dit ça. Vous êtes en forme? Ouais, ça va pas mal. Ça va pas mal. Vous connaissez le parcours par cœur? Francesco Casagrande. Plus ou moins, ouais, plus ou moins. Surtout
le final, quoi, qui ne change pas d'une année sur l'autre. La une troisième victoire serait quand même fabuleux. Ah, ce serait bien, ouais. Et attention à toute l'équipe Télécom, à commencer par cet homme, Vino Kourov, qui est en forme, comme son, est-ce que j'oserais dire son leader, on verra tout à l'heure, Andreas Kleuden, le petit Ulrich, l'homme dont on parle depuis le début de la saison. Il a gagné Paris-Nice, il vient de gagner le Tour du Pays-Bas, ça n'est pas rien, mais dans les classiques, on ne sait pas encore exactement ce qu'il vaut. En tout cas, il a gagné deux contre la montre en côte, c'est pas mal. Le départ, 185 coureurs, 25 équipes, Benoît Salmon, ancien Colstrop, ancien Lotto, et voilà tous les coureurs qui s'élancent. Il était donc exactement 10h55, parti pour 9,8 km en cortège, direction Montigny-sur-Sambre. Et retour en direct avec nos deux hommes de tête, je vous rappelle Bormann et Rumsas, qui comptaient au dernier pointage 11 minutes et 40 secondes d'avance sur Marquezine et Coppolino, lesquels précédaient le peloton d'une vingtaine de secondes. Le peloton pointé à 12 minutes et 2 secondes. Donc de Charleroi, oui, ce sont 198 km au total. Vous l'avez compris, 10 côtes musclées répertoriées. On a déjà passé la côte de Hucorgne, dite la route jolie. Le premier passage du mur de Huy, troisième difficulté, la côte du Viamont. Toutes ces difficultés franchies par ces deux hommes en tête. On vient de franchir, en tout cas pour les hommes de tête, le mur de Huy, quatrième difficulté du jour. Et voilà maintenant nos deux poursuivants. Coppolino, dont je vous ai parlé, 9e année professionnelle, il nous vient de Calabre, tout en bas dans la botte. Et à côté de lui, beaucoup plus jeune, 10 ans plus jeune, le Fabio Marquezine, qui est un néo-professionnel. Et ses hommes virent à gauche pour aller chercher là-bas le pied du mur de Huy. Vous le savez, également appelé Côte des Chapelles, ces deux coureurs avec une légère avance sur le peloton. Nous avons aussi, on peut le dire, dans la course, au cœur du peloton, la moto avec Laurent Bruvier. Je ne sais si on peut faire une première tentative avec Laurent pour qu'il nous donne les premières impressions de ce qui se passe dans le peloton, Laurent. Bonjour Rodrigo, bonjour Jean-Luc. Bonjour. Eh bien, nous sommes à l'arrière du peloton avec 2-3 Cofidis. Il y a là David Millard, vous parliez qu'il n'y avait pas de leader. Il se réserve et le peloton roule groupé. Il vient de descendre. Il va bientôt tourner à gauche pour aller chercher le mur de Huy. Vous n'allez pas tarder à les voir passer devant vous. Merci Laurent. Et on tirera certainement un premier renseignement. Maintenant, attentifs nos yeux, vos yeux, braqués sur le téléviseur afin d'essayer de voir un petit peu qui sont les hommes. Quand même, pour votre information, sachez qu'au premier pointage, au premier passage, les coureurs qui étaient le plus en vue, c'est Bettini et Jalabert qui étaient passés le plus facilement. Et juste derrière, comme par hasard, des garçons comme Bogert, Kleuden, Vino Kourov. Enfin bref, la plupart des coureurs qui étaient le plus souvent cités ce matin, un petit peu, même pas en retrait, vers la 15e place, Verbrugge, très très bien d'ailleurs. Mario Hartz un petit peu plus en difficulté, on sait qu'il souffre d'allergie et qu'il n'est pas à 100%. Très à l'aise aussi du Doubles, le champion d'Allemagne. Attention, c'est un coureur dont il faudra faire très attention. Et puis il y a aussi Rebellin, ce sont les coureurs qu'on voyait le plus. Alors déjà, dans ce mur, regardez les deux hommes, Coppolino. Vous savez que Coppolino, c'est un garçon qui aime la montagne, qui aime grimper. Je me souviens notamment qu'il était deuxième meilleur grimpeur du Tour d'Italie en 1994, en se classant troisième au sommet de l'étape qui se terminait à Sestrières, ce qui est évidemment une remarquable référence. C'est-à-dire qu'Opolino en 9 ans n'a gagné que deux fois, le trophée Pantalica en 97 et la fameuse étape mythique, je dirais, du Tour méditerranéen, celle du Mont Faron en 1996, chaque fois chez MG, donc chez Ferretti. Coppolino, c'est l'homme bien enveloppé, bien musclé, qui se trouve là à droite, beaucoup plus fin, beaucoup plus esthétique, je dirais, Marquezine. Mais ces deux hommes ne sont que quelques mètres devant le peloton et vous entendez la foule qui galvanise véritablement les acteurs. Beaucoup, beaucoup de monde, le public est venu en masse, vous le constatez, dans ce sanctuaire du cyclisme wallon que reste le mur de Huy, que vous avez connu à vélo, en voiture et maintenant Jean-Luc derrière le petit écran. Alors on découvre maintenant ces hommes-là, qui sont les Yapeta, qui rébellent, de nouveau Bettini qui se trouve, ah Dunbacker qui vient là, c'est intéressant, dans la rue de Dunbacker il y a Kivilev, un peu derrière il y a Echevarria. On peut découvrir Boltz à gauche aussi, Merckx qui se trouve un petit peu plus loin vers la 20e place de la route de Vermaut, l'autre jeune belge. On voit que c'est Hartz qui monte pas mal, Verbrugge est bien aussi, voilà Verheyen maintenant. On voit que Casagrande est un petit peu en retrait, chute à gauche d'un Lotto. Et
Jacopo Lillo qui se retourne, qui sent véritablement le peloton fondre sur lui. Et l'écart est pour le moment de plus de 10 minutes 30. Et on voit Heppner, je pense, qui emmène. Dönbacher-Boger très à l'aise à droite, c'est un signe. Bettini tout à fait à gauche et Chebarria. Par contre, on ne voit plus aux avant-postes, ou du moins, de manière moins nette qu'avant, Jalabert. Oui, pour l'instant, je ne l'ai pas aperçu là dans le peloton. Je vois quelques lotos bien placés. Les favoris commencent à prendre quand même position. C'est quand même très important ce passage-ci, parce qu'avec le vent, il y a toujours un risque de bordure au-delà du mur. Et ça, c'est très important, ce passage-ci. Coppolillo, un peu plus costaud que Marquezine, on l'avait compris. Et regardez, c'est dur pour tout le monde. Et Bettini, c'était déjà le plus costaud lors du premier passage. Jalabert est très bien en troisième position, regardez, dans la roue de Rebellin. Bogert, c'est là, c'est ici qu'on peut juger sans doute qui soit le plus fort. Merck, c'est très bien dans la roue d'Ivanov, pour le moment le meilleur des nôtres. Donc Bettini devant Jalabert, Rebellin, Vélo, et Echevarria, Heppner, Bogert. Vraiment du beau monde, la Merckx est très très bien placé avec Dönbacher. Je regarde nos autres Belges. Oui, c'est Baguet qui s'accroche là avec Verheyen. Verbrugge est passé, Steve De Wolf un petit peu plus loin. Il y a Cédric Vasseur qui passe aussi, et à partir de maintenant, ce sont des coureurs qui sont en difficulté. C'est le cas de Dolander notamment. Il y avait Farazin qui était très bien placé. Très très bien placé, Fausto, c'est exact. Farazin et Merckx, et puis juste après Verbrugge, étaient les trois Belges les mieux placés dans cette deuxième ascension. Arts aussi. Arts qui a un peu mieux franchi le... la deuxième ascension que la première. S'il continue de la sorte, crescendo, ça ne serait pas mal. Et on voit encore des coureurs en grosse difficulté maintenant. Agnoluto, Pilon. Mais la plupart des véritables favoris sont devant, c'est clair. Alors vous découvrez ici évidemment toute l'équipe alignée par Maurice Loiseau. Et on soulignera, outre bien sûr le travail comme d'habitude, de nos motards, la présence donc d'Eric Van Limbergen sur la moto 1, de Jean-François Vaucard sur la moto 2, de Philippe Radley sur la 3, et grâce à ceci, dans l'hélicoptère, Christian Stock. Lui, ça fait des années qu'il vous montre ces images ici. Et ce sont les images du ravitaillement qui se situent toujours, donc Jean-Luc, juste après le deuxième passage du mur de Huy. Il y a maintenant 11 km avant d'aller chercher la Côte de France. Et en fait, on passe du côté tout près de Tihange, hein, implanté en bord de Meuse. Le site nucléaire de Tihange occupe, vous le savez sans doute, une superficie de 70 hectares. Et il y a bien sûr là-bas les trois unités, Tihange 1, 2, 3. Et puis on va vers les Gottes dans l'entité de Modave, avant de rentrer dans celle de Hamé pour aller chercher donc la cinquième difficulté répertoriée du jour, la Côte de France, qui est très longue, 2200 mètres. Avec une moyenne supérieure à 6% et demi. L'écart, donc vous le voyez, toujours très très important. Roumsas Bordman. Et voilà Coppolillo, qui, on l'a bien vu dans le mur, a probablement en Marquezine, dans les difficultés, un compagnon qui est légèrement inférieur à lui. Et surtout avec un peloton qui est tout près derrière. Maintenant, nous venons de franchir pratiquement la mi-course, hein, mais quand je vois qu'il reste encore 90 km, les choses sérieuses vont commencer pratiquement maintenant sous nos yeux. Donc, avec le direct, ça sera très intéressant de voir l'évolution du peloton. Coppolillo et Marquezine, je vous rappelle donc que deux hommes se trouvent bien là devant, plus de 11 minutes devant eux. Il s'agit de Bordman et de Roumsas, nos amis d'Organisport, qui vous proposent donc l'itinéraire. Pratiquement le vent favorable jusqu'à Huy. C'est important, c'est la raison pour laquelle cela a été très vite. La première boucle est accomplie. La deuxième, c'est l'en rouge, avec un petit changement par rapport à l'année dernière. C'est quand même le retour de la côte de Paille, au détriment de la côte d'Eref, qui disparaît une nouvelle fois. Vous voyez la côte de Paille, sixième difficulté. L'arrivée de la côte de Bel Air. Et en fait, là, il y a toute une nouveauté. C'est la région d'Avlanche. Et avant d'arriver sur Andenne, eh bien,
on va dans des petits villages assez superbes de, comme Altin notamment, via Oé, et on découvre peut-être pour une fois, oui, même certainement, une autre facette d'autres localités de cette magnifique région. Quand je vous disais que c'était tout à fait différent au niveau des paysages, mais surtout, et c'est ça, la grosse différence, ce sont les braquets ici maintenant, des petits braquets. Et des coureurs, on a beau dire des coureurs de tour, oui, des coureurs qui ont le profil, des coureurs de tour, mais si je calcule bien, il n'y a pas de Pantani, il n'y a pas d'Ulrich, il n'y a pas davantage d'Armstrong, ni de Olano, ni d'Escartin, Zulé n'est pas là non plus, les vrais coureurs de tour ne sont pas là. Non, peut-être, vous venez de l'énoncer, il y a vraiment les top favoris du Tour de France, comme Armstrong, Olano, Pantani, qui ne prennent pas le départ des classiques ardennaises. Et c'est dommage, parce que je trouve qu'un coureur capable de gagner le Tour de France se doit d'être au départ des classiques ardennaises. Et ça, c'est un peu dommage, et j'insiste, l'absence des super favoris des grands tours. C'est dommage pour le spectacle, mais je ne sais pas si ces coureurs-là ont raison de faire l'impasse de telles courses. Et les hommes de tête se trouvent à l'heure actuelle, actuellement dans la côte de France, dont le sommet est situé à 78 km de l'arrivée. On voit que le peloton est très très étiré. Ça veut donc dire, Jean-Luc, qu'après le ravitaillement, on met en marche. Là, oui, là, on prend une portion, une route assez rectiligne. On le voit, le peloton en file indienne. Et souvent, après le ravitaillement, en fonction du vent, il y a un risque de bordure. Mais là, le vent, apparemment, est bien placé pour les coureurs. Ça va très vite, le peloton en file indienne. Et il y a peu de chances qu'on voit maintenant des formations de bordure. Apparemment, le vent doit être favorable. Et on voit que c'est l'équipe de Bogert qui se met en route. On voit trois maillots Rabobank, ou même quatre, plus celui de Dunbaker, c'est clair. Hein. Il y a quand même une rivalité entre les deux équipes néerlandaises. Et jusqu'ici, depuis le début de la saison, je crois que ça n'aurait jamais arrivé, l'équipe Rabobank n'a gagné qu'une course, ou du moins qu'une étape, de Tirreno-Adriatico, grâce à Bogert, c'est très peu. Et maintenant, on se retrouve sur un terrain tout à fait favorable, avec, outre Dunbaker, il y a certainement, bien sûr, Bogert, mais on peut aussi ajouter Marcus Berg, voire même un jeune Allemand, Niermann, qui marche très très bien pour le moment. Et donc beaucoup de possibilités pour cette équipe, sans oublier encore le Suisse Ebersold, qui, ça veut dire que c'est vraiment une équipe très compétitive, et on sent qu'elle a mis les choses clairement en route. Et ça veut aussi dire qu'on peut imaginer que Jean-Luc, que les sensations de Bogert sont bonnes, parce que c'était un doute. Oui, on le voit, je le disais tout à l'heure, grâce maintenant avec cette accélération de l'équipe Rabobank, où on a vu 5 coureurs de Rabobank vraiment faire un tempo, et le peloton c'est vraiment maintenant le peloton est allongé, et on le voit, c'est difficile. Et on le savait avant le départ que l'équipe Rabobank est dans le même cas que l'équipe Mapei avant Paris-Roubaix. Elle se doit de nous montrer quelque chose, parce que une équipe avec une telle force de frappe n'a pas encore vraiment aujourd'hui montré quelque chose. Et mais sur la pulsion de Rabobank, il y a déjà une première cassure. C'est clair. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 30 hommes environ. Oui, ils prennent leurs responsabilités. C'est l'équipe favorite aujourd'hui, et ils viennent de faire un premier coup de bordure qui vient d'occasionner une première cassure. Bon, c'est certainement pas important, mais il y a quand même déjà une cassure nette. Peut-être que dans ce dernier mètre de la Côte de France, peut-être qu'Eric Van Limberg peut nous proposer le visage de Chris Boardman dans quelques instants. C'est vrai que c'est intéressant de voir quand même quelqu'un qui a marqué le cyclisme. Hein. On peut dire dans ce pays, là, l'Angleterre qui possède, c'était surtout l'Irlande, évidemment, grâce à Kelly et à Roche. C'est vrai qu'il y a eu des garçons comme Barry O'Bann, bien sûr il y a eu Tom Simpson, mais dans sa génération, il était un peu seul, mais ça restera le roi du prologue. Et surtout, ne l'oublions pas, Chris Boardman, et j'en parle un petit peu parce que c'est peut-être la dernière fois avant le Tour de France, qui sait, mais c'est sur un prologue, c'est plus court, qu'on le voit comme ça longtemps dans une course. On peut quand même rappeler que sur un vélo qui a peut-être changé de millénaire, le 6 septembre 1996, avec un braquet de 56-13, soit 105 tours minutes, il avait donc battu le record de l'heure. C'était Boardman. Qu'est-ce qu'on va en retenir? Mais au niveau peut-être technique, que c'était sans doute l'illustration quasi parfaite du compromis réussi entre
l'aérodynamisme et la puissance. On se souvient de cette position très avancée sur le bassin, les bras tendus, même s'il est vrai aussi, Jean-Luc, que Bormann a vraiment tiré un profit optimum de l'évolution technologique jusqu'à la limite de ce qui était permis. Oui, on a vécu à un certain moment au niveau des records de l'heure. Chaque record, chaque coureur qui s'est lancé battait le record. Il y a eu Indurain, puis il y a eu Rominger, puis il y a eu donc Bormann. Mais quelque part, il y avait quelque chose qui n'était pas tellement logique. Donc c'est pas jusqu'à la limite, c'est au-delà de cette limite, c'est ça ma question. C'est un record pour moi. Bon, il a le record de l'heure et tout, mais pour moi, le record de l'heure devait se faire sur les mêmes machines, les mêmes bicyclettes, les mêmes roues. Il y a eu une évolution. Il faut vivre avec son temps. Maintenant, il y a eu une modernisation au niveau du matériel. Il faut aller de l'avant, mais le record de l'heure n'a peut-être plus la même valeur qu'auparavant. Voilà pour Christopher Bormann qui détient toujours le temps le plus rapide de l'histoire du Tour de France dans un prologue en 94. Il avait pris 2 secondes au kilomètre à Indurain et à Rominger. On se souvient aussi de chutes assez terrifiantes, celle de 95, vous vous souvenez sans doute, à Saint-Brieuc, et puis celle en 98 lorsqu'il est tombé alors qu'il avait le maillot jaune dans l'étape de Cork, justement, en Irlande. Il s'en est sorti avec une commotion cérébrale, une plaie à l'arcade sourcilière gauche, un traumatisme au poignet. Il est chaque fois revenu, mais c'est vrai que c'est souvent l'homme d'un jour, et c'est peut-être comme un coureur de 100 mètres en athlétisme. Il est là pour 7 km pratiquement sur le Tour de France. Oui, mais quand même pour une équipe, et Roger Legé l'a très bien compris, c'est quand même un coureur qui a profité de l'évolution technique, mais qui a quand même su tirer profit de ses qualités, qui lui ses qualités propres. Il a souvent remporté des prologues dans le Tour de France, au Dauphiné, et j'en passe. Et c'est quand même un coureur très très précieux pour un groupe cycliste, parce qu'il faut savoir, après avoir gagné le prologue, on porte le maillot pendant quelques jours, et publicitairement c'est très intéressant. Et enfin, pour situer quand même le contexte dans lequel il a grandi, il a dû vivre, on peut quand même rappeler qu'au début du siècle passé, pour que les flegmatiques sujets du royaume ne se muent en toréador, le parlement britannique avait interdit tout rassemblement de cyclistes et par conséquent toute possibilité d'organiser des courses cyclistes. Alors la parade, figurez-vous, petite histoire, c'est le contre-la-montre, et aujourd'hui encore, le chrono est l'exercice le plus populaire. Il y a 5000 épreuves recensées par an en Angleterre. Voilà pour cet ancien champion olympique, ne l'oublions pas, recordman de l'heure, maillot jaune du Tour de France. Mais je pense qu'après une carrière comme la sienne, cette année, 47 succès, on pouvait s'arrêter un tout petit peu. Lui qui, pour terminer la petite histoire, est né dans la banlieue de Liverpool, alors que c'est plutôt les Stones dont il est un fanat. Il a même une fois raconté que Mick Jagger avait utilisé des cardiofréquences pour classer l'ordre de ses chansons pendant un concert. Les deux hommes se connaissent. Bref, revenons au vélo, c'est ça qui vous intéresse. Rumsas, lui, donc, je vous l'ai présenté, il est un petit peu moins connu. C'est un Lituanien, mais surtout, c'est la première année de sa carrière, alors qu'il a 28 ans, qu'il peut s'exprimer dans une équipe de division 1 avec un directeur sportif, évidemment, qui est respecté de tout le monde, qui est Ferretti. Et ce Rumsas, c'était peut-être, le coureur numéro 1 de la division 2, je dirais pratiquement l'année dernière, dans des petites équipes, répétons-le, pour en 4 ans s'imposer 24 fois. Mais c'est surtout ses succès à la semaine bergamasque, au circuit des mines, à la course de la paix, au Tour de Grande-Bretagne et au Tour de Pologne, qui l'ont fait franchir un palier supplémentaire, le Lituanien, qui est très complet. Et s'il a été repéré par Ferretti, c'est parce que certainement que Ferretti avait décelé en ce coureur d'excellente qualité pour qu'il le fasse passer dans son équipe, et maintenant il peut évoluer en D1, et c'est très intéressant. Il faudra faire son bilan à ce garçon en fin de saison pour voir s'il a su vraiment s'adapter au cyclisme de division. Alors je proposerais peut-être, c'est sympa de nous avoir montré comme ça Christopher Bormann, mais peut-être que si on en a maintenant la possibilité, Maurice Loiseau, il serait peut-être intéressant de voir un petit peu ce qui se passe derrière, car c'est maintenant peut-être que la réaction doit s'organiser. Et on va voir si l'équipe Rabobank est toujours devant. Manifestement, oui. Et on a même l'impression qu'elle ne laisse à personne d'autre le soin de mener la poursuite. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5 coureurs de l'équipe de Theo de Rooij, dirigée aujourd'hui par Adrie Van Nauwelingen. On voit qu'il y a un coureur Mapei qui se trouve juste en 6e position. L'équipe Mapei qui a 3 coureurs protégés, Merckx, Bettini et Figueras.
Je dirais que Bettini fut de tous le plus impressionnant lors des deux premiers passages du mur de Wii. Très, très, très impressionnant. Et attention à ce garçon, qui est certainement un des outsiders aujourd'hui, en sachant que quand on se classe cinquième dans Liège-Bastogne-Liège, comme l'année dernière, après avoir été à plat ventre toute la journée pour Bartoli, ça représente bien sûr quelque chose. Et donc cette équipe Rabobank, alors qui va rouler dans l'équipe Rabobank? J'ai l'impression que maintenant quelques coureurs doivent se sacrifier. Je pense à Engels, à Krohn et à Lotz, qui sont les trois coureurs en principe qui ont vraiment le statut d'équipier. Vous découvrez aisément Dunbacker en quatrième position. Il faut savoir aussi que cette équipe a connu vraiment beaucoup de malchance avec la chute de Beat Sberg le dernier jour du Tour du Pays Basque. Sberg qui ne courra peut-être même plus cette saison, de longs mois indisponible. C'était un atout supplémentaire pour une course comme aujourd'hui. Son frère Marcus est là. Voilà déjà un coureur de Rabobank qui se relève, qui a fait un gros effort. J'ai toujours l'impression que Bettini, Ivanov et Merckx sont très bien placés. Merckx qui se trouve enfin, Jean-Louis Vandenbroeck, sur son terrain de prédilection. Et on a l'impression avec un peu plus de sérénité que ces dernières années. Oui, je pense que Axel a connu un programme qui lui voit très bien, parce que je me souviens il y a deux ans il roulait Egan Wellem des courses qui lui convenaient pas bien du tout, et maintenant il a une préparation vraiment à la lettre, et j'espère pour lui qu'il va savoir tirer profit de ces deux courses ici dans les deux classiques, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, pour se mettre en valeur et pour vraiment montrer ses réelles qualités. Jean-Luc, si on compare avec ce qu'on a vu ces dernières années, d'habitude, souvent, le coup décisif partait au moment de ce deuxième passage. Or ici, il y a encore beaucoup de coureurs, et la configuration actuelle de la course, avec cette position avancée de Rumsas et de Bormann, nous permet de dire que les hostilités seront de toute façon déclenchées plus tard que par le passé. On se souvient que Bartoli et Dunbacker ainsi que Kamenzin étaient partis très 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 tôt l'année dernière. Au moment où je vous parle, tout était déjà pratiquement joué. On se souvient que Jalabert, lorsqu'il a gagné en 95, il était parti dans le mur. La même chose lorsqu'il est parti à Fondriès, quand il a gagné, il est parti à 40 km de l'arrivée. Gentil en 94 est parti à 72 km de l'arrivée. Quand Armstrong s'est imposé, il s'était dégagé à 7 très très tôt. Bref, c'est presque toujours très tôt que la course décide ces dernières années. Et tant mieux pour le suspense. Ici, ça a l'air d'être quelque chose de plus indécis. On se retrouve en tout cas avec un plus grand paquet de coureurs à ce stade-ci de la course que d'habitude. Oui, mais il reste quand même 2 heures de course. Et quand je vois maintenant, il y a quand même un bon tempo, un sérieux tempo qui est occupé c'est fait par l'équipe Rabobank. Et je pense que l'avance des deux coureurs va commencer à fondre comme neige au soleil. Et faut pas s'inquiéter avec les côtes qu'il y a au menu. On verra encore un beau déroulement de course dans les prochaines minutes. Et ça fond effectivement, Jean-Luc, 10 minutes désormais. Et que Laurent Bruvier n'hésite pas éventuellement à aller recueillir les impressions du directeur sportif de la formation Rabobank, qui prend manifestement clairement à cœur cela. Est-ce que c'est tout pour Bogert? C'est intéressant pour nous, c'est important de savoir si Bogert véritablement peut viser la victoire, parce que s'il est à 100%, c'est un des grands candidats. On voit que Farazin est de nouveau à gauche. Je ris, mais c'est d'admiration, parce que véritablement, ce que fait ce coureur, comment peut-il encore être à 100% dimanche? Je n'en sais rien. Et là, je peux le dire par expérience, pour un coureur, pour vraiment les connaisseurs, un coureur qui sort des classiques flandriennes, et puis de le voir encore aux avant-postes. Je vous interromps parce que Belli accélère. Continuez, Jean-Luc. Oui, une accélération, mais de voir encore Farazin aux avant-postes dans les classiques ardennais. Je ne sais pas si on le verra dans le top 10 ici de la Flèche Wallonne, mais il est mis à toutes les sauces et il faut vraiment une rude santé. Hein. Vous avez donc vu que Vladimir Belli, qui est un des outsiders aussi de cette course, vient de sortir. C'est un équipier de Rumsas. Oui, un équipier de Rumsas, mais bon, on le sait, bon, tactiquement, il doit bien rester et regarder les Rabobank et les Casagrande et les... En tout cas, ça attaque, et j'espère qu'on va pouvoir bientôt vous décrire exactement ce qui se passe là-bas. Mais regardez l'attaque de l'accélération, appelons-la comme ça, de Belli, a provoqué des réactions. On voit que Farazin est en cinquième position. Regardez la façon dont il bouge la tête, c'est impressionnant. Je crois que c'est Kamenzin qui est dans sa roue, un petit peu devant. Je me demande s'il n'y a pas déjà Rebellin. En tout cas, il y a certainement deuxième position à courir la formation Rabobank dans la roue d'un US Postal.
Est-ce que c'est pas le petit Steve Vermout? Et Rebellin en quatrième position de la route 2. Peut-être Petaki. Marcus Berg deuxième. Vermout en première position. Farazin en cinquième. À coup sûr donc. C'est bien Steve Vermout, le petit grimpeur, équipier d'Armstrong, qui n'est pas l'Armstrong. Il y a forcément un télécom qui va avec. Je me demande si c'est pas Heppner. Il y a deux Mapei, peut-être Bettini et Merckx. C'est en tout cas un petit et un grand. C'est Axel qui ferme la marche. Là, Axel vient de... Beau groupe dans lequel ne figure ni Jalabert ni Bogert. Mais attention, il y a deux Rabobank. Et tout de suite, ça relaie. Ça n'est pas Belli. Hein, c'est un grand format qui se trouve là. J'ai l'impression que c'est Petaki. Mais nous sommes un petit peu haut. Et dès que ce sera possible, Maurice Loiseau viendra vous montrer cela d'un petit peu plus près. Ah, il y a une belle accélération, on le voit, il y a vraiment ici une belle phase de course où on le voit, ces 10 coureurs viennent de prendre 100 mètres au peloton. Joli de la part de Steve Vermout, hein, ce petit grimpeur belge. On se disait, qu'est-ce que va faire un belge dans une équipe comme celle d'Armstrong. Il faut dire quand même que les deux directeurs sportifs, Brunin et De Mol, sont belges. Mais il passe troisième et derrière forcément le Bornemann et Roumsas au sommet de la Côte de France. Pas mal, il se trouve aussi son terrain de prédilection certainement aujourd'hui, Steve Vermout. Et ouais, que l'allure est très importante maintenant. Intéressant aussi de voir combien les garçons comme Rebellin par exemple sont très attentifs. Oui, maintenant c'est encore quand même comme Rebellin, c'est encore très loin, nous sommes très loin de l'arrivée et les favoris ne doivent pas encore abattre leurs cartes maintenant, mais rester présents aux avant-postes pour éviter un coup de bordure. Alors Jean-Luc, on va être en mesure maintenant d'identifier ces hommes probablement. Vladimir Belli, ça c'est lui, il a provoqué ça. Et puis juste à côté, c'est... Ah oui, c'est Vinokourov en personne. Eh bien dites-moi, à côté... C'est Kamenzit, l'ancien champion du monde. Ah, mais ce ne sont que des leaders, là. On a vu Farazin, effectivement, Merckx, Vermout, Bettini. On les a presque tous. Bogert est là aussi. Avec Marcus Berg. Avec Petaki, Rebellin. Il n'y a que celui-ci. Petaki, je ne suis pas sûr à 100%. C'est une force de la nature, c'est le cas de Petaki. Sinon, nous les avons tous identifiés. Et à l'exception de Jalabert, tous les favoris sont là. Tout le monde, hein. C'est une belle échappée, mais le peloton revient de l'arrière. Oui, et Bogert est très déterminé, là. Oui, mais on le voit, c'est comme ça, il faut rouler. Le peloton est très allongé. Dès qu'on va arriver dans une prochaine côte, ça va de nouveau casser automatiquement. Hein. Et si j'ai bien vu, c'est Andrea Perron qui est là. Oui, c'est le deuxième colosse. Et Merckx est avec. Contrairement au loto. Quelle image quand même, hein. Je sais pas si ça vous fait quelque chose, mais Merckx avec le numéro 1, c'est du jamais vu. Axel nous le disait ce matin au départ, même chez les jeunes, je n'ai jamais porté le numéro 1. Je rappelle que Bartoli est l'ancien vainqueur et qu'il est absent. En tout cas, il est fidèle au rendez-vous, il est là, et pour le moment, c'est le seul des nôtres avec Vermout. Oui, c'est très bien maintenant de les voir déjà aux avant-postes. C'est clair, hein, un coureur en forme, même à 75 km d'arrivée, c'est important de les voir je en tête. Je crois que Laurent essaye de nous parler, Laurent. Oui, je suis à hauteur de la voiture des Rabobank, donc je vais essayer. Mais il y avait un gros problème, la voiture Rabobank était coincée derrière, c'est pour ça qu'elle a mis du temps à revenir. Et heureusement pour Bogert, il n'y a pas eu de crevaison. Je vais essayer de faire cette interview, mais le parcours pour le moment ne nous permet pas de... Allô ? Oui, ne nous permet pas... de faire cette interview, évidemment. Ne vous inquiétez pas, Laurent, mais n'hésitez pas à nous tenir informés aussi de ce qui se passe derrière. Ici, ça contre avec Dunbacker dans la roue. Dunbacker et vélo dans la roue. Et puis Rebellin, qui est dans tous les coups. Dunbacker, vélo, Rebellin. Une course qui commence à s'animer et qui va devenir très passionnante. Je crois que c'est Echevarria qui est revenu. Oui. Qui est peut-être le leader de rechange si Jalabert se trouve un peu moins bien ou s'il veut s'épargner pour dimanche. Peut-on rouler à fond aujourd'hui si on veut gagner des Bastogne-Liège? Les gens sont partagés. C'est-à-dire que Jalabert, chaque fois qu'il a gagné la Flèche Wallonne, alors le ça ne l'a pas réussi. À Liège-Bastogne-Liège, il y avait une pancarte, il avait tout le monde sur le porte-bagages. Peut-être maintenant, avec les expériences du passé, il se dit en lui-même, peut-être c'est mieux que je roule en dedans la Flèche Wallonne pour me consacrer uniquement à Liège-Bastogne-Liège. C'est un choix à faire, mais il doit aussi quand même montrer quelque chose. On attend quelques... pour le numéro 1 mondial, on doit quand même le voir à son avantage, soit aujourd'hui ou dimanche. Hein. 8 minutes 55, et regardez le groupe très imposant de nouveau.
Oui, mais imposant, mais quand même, il y a une sélection. C'est pas le peloton qu'on a vu après le mur de Huy. Il y a une sélection, il y a eu des coureurs qui ont quand même lâché. Hein. Un bon groupe de lâcher, certainement. On va maintenant aller chercher la côte de Paille tout à l'heure. En passant, on a déjà quitté Villers-le-Temple. On va dans l'entité de Moda, du côté de Vierce-Bars. Pont de Bonne, l'entité de Clavier. Et c'est là qu'à défaut de côte d'Eref, on aura la côte de Paille. Et Maurice Loiseau vous montre là. Pour la 367e flèche wallonne qu'il réalise, qu'il ne perd pas de vue, bien entendu, les deux échappés. Oui, Laurent. Je suis avec Manolo Sainz, je vais essayer de... Ah oui, le futur directeur... Non, je plaisante. Oui, j'ai bien compris ce que vous vouliez dire. Manolo, bonjour. Alors, est-ce que Laurent Jalabert se réserve pour dimanche? Non, jamais. Jalabert, tous les jours, il fait la course, non? C'est vrai que c'est des coureurs que c'est avant, mais on ne sait pas seulement la 11 qui fait la course. Hein. Alors, Laurent, il est en quelle forme pour le moment? Quel est son état de forme? Nous sommes ici dans le groupe avec pratiquement toute l'équipe. Et nous allons rester un peu tranquille jusqu'à connaître qui c'est les personnes ou le groupe qui va faire la course. Non? Mais on sait que son souhait c'est de gagner, son rêve c'est de gagner Liège-Bastogne-Liège. Hein? Son rêve à Laurent c'est de gagner Liège-Bastogne-Liège. Sans doute, il a gagné des fois la flèche wallonne. Pour nous c'est plus important la Liège-Bastogne-Liège, non? J'ai dit que si lui arrive avec l'opportunité de gagner la flèche wallonne, le même pour nous prend beaucoup de satisfaction. Hein? Merci beaucoup Manolo. Voilà Rodrigo. Merci Laurent. Je vais peut-être aller jusque chez Monsieur Ferretti. Et on sait évidemment que... La seule expérience de Manolo Sainz avec un coureur belge, c'était Johan Bruyneel, c'est une réussite totale. Hein. Johan s'est classé 3e d'une Vuelta, dans le top 10 d'un Tour de France, en gagnant l'étape mythique à Liège, vous vous souvenez de Vuelta-Uran. Dernier belge à avoir porté Marie-Jaune, c'était Bruyneel chez Manolo Sainz. Et on sait que Manolo Sainz, pour parler quand même sérieusement, est très intéressé par la venue éventuelle de Frank Vandenbroucke, alors qu'il est officiellement rien n'est signé. Mais c'est une piste et il est évident que sportivement, ça doit être assez attrayant. La chose qu'on se dit, c'est que pour être capable tout de même de se payer Jalabert, Olano et Vandenbroucke, eh bien, il faut quand même que l'équipe ait les moyens. Et manifestement, ça a l'air d'être le cas. Et peut-être aurons-nous, qui sait, dans les années à venir, une équipe on sait dans les classiques flamandes. C'est quelque chose qu'on a rarement vu ces dernières années. Mais enfin, on n'en est pas là. Et si j'en parle, c'est quand même aussi pour dire qu'aujourd'hui et surtout dimanche, il doit y avoir quelqu'un du côté de Ploegsteert à qui ça doit faire très mal pour le moment de regarder ça dans ces deux courses de prédilection. Oui, mais pour l'instant, il n'est pas là. Il est aux États-Unis. J'en doute, moi, Jean-Luc. On me l'a dit quand même, je ne sais pas. Donc, moi, de toute manière, qu'il soit aux États-Unis ou par ici, c'est certain que vivre les classiques ardennaises devant sa télévision, c'est très dur. Ça doit être très dur. Alors, l'absence de Vandenbroucke et de Bartoli, les deux super favoris, s'ils avaient été là, ouvre énormément de perspectives. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de trois autres coureurs essentiellement, c'est Jalabert, c'est Rebellin et c'est Bogert. Mais il y a toute une série de coureurs autour. Il y a bien sûr tous les télécoms, avec Boltz, avec Vinokourov, peut-être avec Clauden. Il y a aussi des coureurs plic-ploc, on a vu Belli, il y a les Belges. Est-ce que justement l'absence de ces deux coureurs n'ouvre pas des perspectives à d'autres coureurs qui auraient moins cru si tout le monde avait été là? C'est certain, les absents ont toujours tort et maintenant ça ouvre de belles perspectives pour les outsiders. Il y a vraiment une victoire à prendre ici. Je pense à des coureurs comme... C'est vrai, l'absence de ces deux coureurs-là va faciliter la victoire d'un Rebellin, ou d'autres, un Vinokourov ou des jeunes Italiens inconnus du grand public qui vont se révéler. De toute manière, c'est certain que l'absence de ces deux coureurs-là va faciliter pas mal de choses, parce qu'avec, quand on voit la démonstration de Bartoli l'an passé dans la Flèche Wallonne, suivie de celle de Franck à Liège-Bastogne-Liège, maintenant les coureurs ont une possibilité de se montrer, ça c'est quand même une bonne chose pour les outsiders.
Alors, on voit là que l'équipe Lotto est venue placer... Il y a Van de Wauwer, j'ai l'impression, oui, qui est là. Il me semble bien, oui. Et je crois que c'est Verheyen qui est dans la roue. Oui, il me semble bien. Bon, pour Van de Wauwer, c'est bien de le voir là, parce que c'est un coureur qui a ses ambitions portées vers le mois de juillet. Et sa condition arrive un petit peu à la fois, il faut le laisser faire. On a vu Francesco Casagrande et les Rabobank se sont un petit peu relevés. Du coup, c'est un télécom qui vient se placer devant. Je me demande si c'est pas Jaksche. Avec une belle allure comme cela, c'est lui. Et Dunbacker qui relance avec dans la roue. Est-ce que c'est Van de Wauwer? Je crois bien. Il me semble bien, oui. Oui, Kurt Van de Wauwer. Après son stage habituel en Colombie, il nous disait « Je suis un peu mieux que les autres années à pareille époque, même si lui ne vise que le Tour de France, il vise ouvertement une place 10, dans les 10 au moins, voilà Van de Wauwer, dans sa roue Belli. » Mais l'an passé, il avait connu des problèmes de selle, il avait été opéré, donc il était un peu en retard sur sa préparation à cette époque-ci de l'année. Maintenant, il n'a connu aucun problème et de le voir déjà aux avant-postes, aller dans les attaques, ça veut dire qu'il a quand même une condition acceptable. Mazzanti qui est sorti là. Et Dunbacker relance encore. Van de Wauwer qui nous disait ce matin qu'il... pensait néanmoins pouvoir mieux tirer son épingle du jeu dimanche qu'aujourd'hui. Le mieux de oui en soi lui a pas toujours réussi. Le coureur Mapei qui est là, j'ai l'impression que c'est Nocentini. Et vous voyez ce groupe encore très important. Même si inévitablement la double ascension du mur de oui a écrémé le peloton et les plus faibles ne sont plus là. Et de toute façon, des attaques qui se succèdent, ça veut donc dire que depuis quelques instants, le rythme n'est plus du tout soutenu. L'équipe Rabobank, j'imagine, et c'est bien légitime, laisse un petit peu faire aussi les autres formations. Verheyen est là. Il y a encore Gomez aussi de la formation Kelme, qui remonte là dans la roue d'un Rabobank. On voit de plus en plus aussi des maillots ONC attentifs. On voit la détermination de l'équipe Rabobank, il y a beaucoup de pression sur leurs épaules et le poids de la course repose, je me répète, sur leurs épaules et on voit qu'ils essayent de provoquer via des petits démarrages, tout à l'heure une petite bordure et on doit vraiment tenir compte avec cette équipe-là aujourd'hui. Oui, encore un coureur Rabobank qui attaque. Donc deux tactiques très différentes. Dans un premier temps, ils roulaient en bloc et maintenant ce sont des accélérations à tour de rôle. Oui, mais tout à l'heure, on a vu, ils ont profité d'un passage avec le vent de côté pour essayer de former une Marcus bordure. Berg. Pour essayer de former une bordure, ça n'a pas réussi. Et maintenant, ils essaient de provoquer une échappée en... Avec Merckx et Giannetti. Tiens, ça doit rappeler quelque chose, ça, le deuxième et le quatrième du championnat du monde de Lugano. Et manifestement, l'écart continue évidemment de diminuer. Dernier écart. 8 minutes 20 et un deuxième peloton est à 9,43. Donc les coureurs lâchés dans la côte de France ne reviendront probablement plus. Et notre première, notre caméra 1, qui vous fait à nouveau découvrir Chris Bortmann et Raimondas Rumsas. Rumsas, 28 ans. Bortmann en a 31. Il est passé professionnel. Il est né quelques jours avant les Jeux Olympiques de Mexico. Et voilà donc le Lituanien dans la roue de Bordman. 1m75, 69 kilos. Rodrigo. Oui, Laurent. Vous parliez des Mapei, il n'y en a plus que 4 dans le groupe de tête puisque successivement suite à l'ascension du mur de Huy et de la Côte de France, Charlie Wegelius, Tani et Rizzi ont sauté. Et chez Lotto, c'était Sébastien Demorbet qui était un peu en difficulté mais il a réussi à réintégrer le groupe de tête. Et on nous montre ici Arts avec le numéro 151. Quant au 153, c'est celui de Serge Baguet dont c'est Jean-Luc Vandenbroek, le retour. Vous l'avez connu, vous l'avez eu sous vos ordres. Baguet, c'est un cas incroyable. Il a arrêté la compétition pendant 3 ans. Et c'est en travaillant à l'usine qu'il a réalisé. Il s'est dit, tiens, ben voilà. Et aujourd'hui, beaucoup doutent, beaucoup ricanent même de son retour après s'être arrêté pendant 3 ans.
lui, le fils de Roger, un ancien lieutenant de Rick Van Looy, peut-il retrouver son niveau? C'est quand même très surprenant, le cas Baguet. Oui, c'est surprenant. C'est rare aussi. C'est très rare et c'est surprenant de lui avoir accordé confiance dans une équipe de D1. Mais bon, la Loterie Nationale a pris ses responsabilités. On va voir si elle a fait un bon choix en réembauchant un coureur comme Baguet. C'est lui vraiment lui redonner une seconde chance. Mais bon, sera-t-il vraiment au top? Je ne sais pas, on va voir. Cela dit, on peut se souvenir que lorsqu'il est passé professionnel au sein donc de votre équipe, je me souviens, c'était la fin de la belle époque chez vous avec Musset, Brunel, Criquillon. Et Musset n'était pas avare d'éloges. Il disait, ce garçon, c'est un diamant brut. Oui, un diamant brut, c'était certainement le coureur le plus doué de sa génération. Et un coureur qui a vraiment un peu, je vais dire, qui n'a pas profité de cette situation-là, qui n'a pas fait le métier et qui maintenant a compris après 3 années d'absence et quand il a vu ses copains arriver à... Il ne fera plus les mêmes erreurs que par le passé, voilà, en principe. Maintenant, j'espère pour lui qu'il va saisir cette chance à demi. Entre-temps, merci Maurice d'avoir monté cette image derrière Dunbacker, parce que White, c'est assez extraordinaire. Ce garçon était le dernier coureur classé, je pense, à 45 minutes de Johan Musée dimanche dans Paris-Roubaix. Vous vous souvenez, il était déjà à l'attaque dans la première échappée. On avait cette image d'un coureur qui tirait la langue plusieurs fois pour montrer sa fatigue. Il était là, il est allé jusqu'au bout, il aurait pu renoncer. Et maintenant, le voici de nouveau. Et bien, ce White, c'est quelque chose, c'est une sacrée santé, c'est un sacré tempérament. Bravo à lui, on le découvre ici, dans la roue donc de Martin Dunbacker, dont on peut rappeler qu'il fut deuxième et battu par un superbe Bartoli la saison dernière. Et donc Dunbacker en contre-attaque. Il sait ce que c'est que des longues échappées sur les routes de la Flèche Wallonne. Il faut aussi savoir que Dunbacker, s'il était deuxième l'année dernière, il était quatrième l'année d'avant. Donc il connaît. Matthew White dans sa roue, l'Australien né à Sydney il y a 26 ans et vainqueur d'une étape du Tour de Suisse l'année dernière, troisième année professionnelle. 1m79 pour 59 kilos seulement, ce qui devrait en principe lui permettre de passer plus facilement les côtes ardennaises que les pavés de Roubaix. Oui, et s'il me semble, c'est lui qui a terminé dernier de... Voilà. Et on l'a vu franchir la ligne d'arrivée sur le Vélodrome, et moi je tire mon chapeau parce que réaliser ce qu'il a fait, il a quand même été dans l'échappée matinale et il a mis un point d'honneur à finir et c'était quand même du beau travail. Très intéressant ce qu'on voit là, l'attaque de Dunbacker oblige les deux plus gros groupes rivaux, c'est-à-dire Telecom et Onze, à rouler, à faire des efforts. On voit que Rebellin en quatrième position a un petit côté suiveur depuis le début de cette Flèche Wallonne, qu'il se met toujours et ne prend pas de responsabilité. Il est vrai, Rebellin, une équipe beaucoup, beaucoup plus faible que les autres, mais manifestement, pour le moment, petite rivalité quand même entre Onze et Telecom. Oui, mais tactiquement, Rabobank joue bien. Il y a depuis le début du reportage, avec cette accélération du groupe entier pour essayer de faire une cassure, une bordure, ça n'a pas réussi. Puis on a vu plusieurs attaques et maintenant ils viennent de réussir à faire une contre-attaque avec Dunbacker et White. Ça oblige, comme vous le disiez tout à l'heure, aux équipes comme Telecom et Onze de réagir. Et dans l'équipe Vini Caldirola, représentée par White, on aurait pu penser que le leader soit Casagrande. Ce n'est pas exclu, mais Casagrande a déclaré lui-même ce matin qu'il avait été grippé autour du Pays Basque, qu'il ne se sentait pas à son maximum et que l'homme peut-être le plus fort dans la formation était probablement encore le vétéran, le doyen Mauro Gianetti. Et donc pour le moment, on procède vraiment dans le premier peloton de contre-attaque par accélération. Accélération, ralentissement, on voit qu'il y a trois coureurs de Ferretti qui viennent joliment bloquer. Ah, il est évident qu'en admettant que les deux hommes de tête aillent au bout, Rumsas gagne à tous les coups. Ça, c'est mon avis. Oui, bon, ça fait partie du rêve, hein, je pense. Bien sûr, mais regardez la façon dont roule quand même Jean-Luc, les trois coureurs de l'équipe de Ferretti, quatre maintenant. Oui, mais là maintenant, on va aborder la prochaine côte et avec Dunbacker et White en contre-attaque. Donc on va voir une réaction des favoris par l'arrière et c'est certain que ce peloton va,
je vais pas dire exploser sur la prochaine côte, mais on risque de voir une première sélection importante. Et donc dans ce contexte-là, bien sûr ce qu'on a vu lors des ascensions du Medouille est intéressant, mais ce qu'on a vu aussi dans la côte précédente, la côte de France, avec la sortie de la plupart des favoris, c'est aussi un signe déjà de fraîcheur et de force, et ce sont, si on y ajoute Jalabert, les hommes qu'on a vus dans la côte de France, qui risquent en tout cas de s'illustrer dans les minutes qui viennent. Oui, tout à l'heure on a vu une attaque importante avec Axel Merckx, une dizaine de coureurs, mis à part Jalabert, mais on risque de retrouver ces coureurs-là bien sûr. L'écart est retombé à 7 minutes 2 par rapport donc à Dunbacker et à White. Mais si l'écart, si Dunbacker et White ont très vite pris une minute au peloton, c'est parce qu'on l'a bien vu, le peloton s'est quasiment arrêté de rouler, ou en tout cas décéléré considérablement pendant quelques temps. Et voilà, vous voyez ce ruban multicolore qui nous permet de découvrir un petit peu les équipes. On voit qu'il y a encore bien calé au milieu, pas mal de coureurs, l'équipe Lamprey pour Kamenzin, voire pour Codol. Et nous sommes à Pont de Bonne, au kilomètre 134, soit à 64 km de l'arrivée. Et on va avoir donc pour le peloton 6 km, le pied de la côte de Paille. Et bientôt, à l'issue de la côte de Paille, on ira dans la province de Namur. On n'en est pas là. Dunbacker qui tire très très costaud, très fort. Maarten Dunbacker, le champion des Pays-Bas, qui connaît vraiment une carrière tout à fait linéaire. Il n'y a pas si longtemps encore, il plafonnait au-delà des 200 km. Mais on peut dire qu'il a bonifié son endurance, peut-être en vieillissant. Le bilan de ses deux derniers printemps, eh bien, deuxième et quatrième de la Flèche Wallonne, troisième de Liège-Bastogne-Liège, deuxième et quatrième de l'Amstel Gold Race. Il est donc dans sa dizaine, je dirais, idéal, et on a eu la preuve à l'image, il est tout à fait prêt. C'est mieux qu'un leader de rechange pour Bogert. Certainement, c'est vraiment un lieutenant très important et un pion important de l'équipe Rabobank. En le plaçant maintenant comme ça en contre-attaque, ça va obliger les autres équipes et les favoris de se dévoiler, parce que c'est intéressant de voir maintenant le comportement des autres équipes. Intéressant aussi de constater que depuis le début, White relaie Dunbacker. Il ne se contente pas de suivre. C'est donc un garçon qui a de la récupération, du tempérament, et oui, qui prend l'initiative. Oui, il a des bonnes qualités, parce que finir par Roubaix et le voir ici maintenant aux avant-postes et dans une contre-attaque, c'est pas donné à tout le monde. Deux jours de récupération, c'est très peu après un Paris-Roubaix, 272 km. Et de le voir maintenant, c'est bien, c'est un coureur qui a un avenir devant lui. On sent aussi dans la contre-attaque davantage que les Onze, même si ce n'est pas encore une contre-attaque collective, la détermination d'équipe Télécom, qui, répétons-le, avec bien sûr Vinokourov, un véritable puncheur, avec Bolt, un homme dont on dit chaque année, bah, il est vieillissant, mais il est toujours là. Il ne faut pas oublier que Bolt en a déjà gagné une belle, pas aussi belle que celle-ci, mais quand même presque, en Wallonie, le Grand Prix de Wallonie. Et puis, il y a toujours ce Kleuden, qui, même s'il est présenté plutôt comme un homme de course à étapes, puisque Paris-Nice et le Tour du Pays Basque, il s'y est imposé grâce chaque fois à son final. Voilà la moto numéro 3. Qui vous propose la tête donc de ce groupe, la moto numéro 3, et ces images qu'on doit à Philippe Radelet, avec donc Matthias Kessler, qui est un tout jeune coureur allemand. Et je crois que si on sert, c'est bien que... non, c'est Jaksch en deuxième position. Je pensais que c'était Kleuden, mais ça c'est Jaksch. Oui, donc des lieutenants qui travaillent pour le moment. Ça nous permet aussi de découvrir dans cette équipe, on a vu passer rapidement Ferrigato. Il y a la Missalia. On voit Moreau qui arrive. Farazine, toujours la course en tête. Verbrugge en arrière-plan. Rick Verbrugge, oui. Bobby Julik. Oui. Verbrugge, il a le bandeau rouge. Il est caché, il est à gauche. Le grand espagnol Gomez de l'équipe Kelme qui arrive. Voilà Moreau. Et au cœur du peloton. Tandis que Ferretti est aux côtés de l'homme de tête, de Rumsas. C'est important parce que l'écart est très grand, toujours pour le moment, et les occasions sont rares pour le directeur sportif de venir se porter à la hauteur d'un homme échappé comme cela. Oui, Laurent, c'est à vous. Je suis aux côtés du directeur sportif de Rabobank. Alors, quelle est la tactique chez Rabobank aujourd'hui? On a essayé de minimaliser
l'avance des deux, coureurs. Et maintenant, on veut attaquer. Parce qu'on a essayé. On a commencé à rouler. On a pris 3-4 minutes, mais on n'a pas eu d'aide d'autres équipes. C'est Bogert le leader et Den Backer qui se sacrifient aujourd'hui. C'est Bogert le seul leader et Den Backer et Sperk dans un rôle libre. Merci beaucoup. Ah, avec Adrien Van Obelingen, ça, moi, elle mérite d'être claire. Donc, c'est vraiment que Bogert est à 100%. On peut quand même rappeler, Jean-Luc, hein, que Bogert a eu pas mal de problèmes. Il est d'abord tombé à la semaine catalane. Il est quand même venu à la Flèche Brabançonne après, mais les douleurs qu'il avait dans le dos ne lui permettaient pas de prendre le départ du Tour des Flandres. Et il s'est aligné autour du Pays Basque, alors qu'il avait été question d'un forfait, ne sachant pas très bien où il était. Et s'il a pu se permettre quand même d'accompagner souvent les meilleurs, ce n'était pas suffisant pour pouvoir se rassurer pleinement. Et il y avait un petit doute ce matin, c'est que manifestement, au-delà de la mi-course, ses sensations étaient excellentes, puisque donc, vous l'avez vu, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Si Den Backer peut jouer à une ouverture, tant mieux. Mais le vrai leader, c'est Michael Bogert, qui, s'il est à 100%, devient certainement un des hommes à battre. Oui, je me souviens, avant la Flèche Brabançonne, on se posait des questions quant à sa participation au Classique Ardennaise, vu qu'il avait quand même connu une méchante chute, là. Et la Flèche Brabançonne lui servait de test. Et bien sûr, après ce test, il se devait de prendre le départ du Pays Basque s'il veut aujourd'hui essayer de soit gagner aujourd'hui ou dimanche, parce que pour figurer en bonne position dans les classiques ardennaises, le Pays Basque est un point de passage obligé. Les derniers écarts, 6 minutes 17 de retard pour le champion des Pays-Bas et l'Australien White. Et le peloton à 7 minutes 40 secondes. Donc, pour le moment, en tout cas, Den Backer et son compagnon l'échappé roulent plus vite que le peloton. Et maintenant, on le voit, la contre-attaque de Den Backer oblige l'équipe Once. Oui, et pour la première fois, c'est un équipier de Rebellin qui vient rouler. Excusez-moi, les équipiers de Rebellin et de Telecom d'effectuer la poursuite. Et donc, on le voit bien au niveau tactique, Rabobank a bien joué actuellement. Avec 4 face à Bortolo dans les 9 premiers et qui continue à casser le rythme. C'est normal, ils doivent rester bien aux avant-postes pour essayer de freiner la progression du peloton en essayant de contrarier la progression des équipiers de Telecom. Donc si vous nous rejoignez maintenant un petit point à la situation, nous sommes bien sûr dans cette superbe Flèche Wallonne qui est une classique, c'est peut-être la classique numéro 1 hors Coupe du Monde finalement, la partie en patrimoine du sport cycliste, malgré la disparition de côtes comme les Forges, Viamont, Hermal et aujourd'hui la côte d'Eref. Et c'est au kilomètre 37 que deux coureurs se sont échappés. Il y a eu d'abord des premières tentatives, chaque fois avortées, avec notamment l'école, la ville de Charleroi comme pilon, et puis un peu plus tard Barbier, les deux coureurs français. Et puis donc au kilomètre 37, Rumsas, le Lituanien, est parti en même temps que Bornman. Et au moment où on vous parle, alors qu'on est à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, eh bien, ces hommes ont toujours 6 minutes et 17 secondes d'avance sur ces deux coureurs qui sont sortis du peloton sous l'impulsion de celui-ci, Maarten Den Backer, avec White, l'étonnant White, dernier classé de Paris-Roubaix dimanche après avoir été déjà à l'attaque. Un coureur qui décidément aura très très peu roulé en peloton sur les derniers kilomètres importants qu'il a effectués. Entre temps, c'est vrai qu'il y a eu d'autres tentatives et notamment avec Philippe Veret, encore de la ville de Charleroi, qui a essayé de sortir entre les deux ascensions du mur de 800 résultats. Et on l'a vu précédemment dans la Côte de France, les favoris sont tous là, sont tous présents, et à commencer par Bogert certainement, par Rebellin, par Jalabert, mais aussi par un garçon comme Vinokourov. Ce sont ceux qu'on a vu le plus et auxquels on pourrait ajouter Bettini et Merckx. Au niveau belge, Verbrugge semble souvent être dans le coup encore également. Peut-être un petit peu plus difficile de se prononcer pour le moment quant à la condition de Mario Hartz, qui, troisième l'année dernière, et s'il avait été à 100%, était sans doute un candidat, même peut-être à la victoire aujourd'hui, mais qui est tombé une fois d'abord à Waregem, on s'en souvient, c'était peut-être lui la plus grosse victime de la fameuse chute dont on a tant parlé entre Schmid et Plancarte.
après l'accrochage en tout cas. Donc il est certain qu'il était déjà tombé. Il est tombé trois fois dans le Tour des Flandres sans que ça se sache. Il a quand même fait un superbe travail malgré tout dans le final pour favoriser la victoire de Tchmil. Mais après cela, Mario Hartz est parti au Tour du Pays Basque et il avait d'énormes difficultés d'un point de vue respiratoire. Des examens ont été effectués en début de semaine et ont révélé une allergie au pollen. Et tout ce que Hartz espère, c'est le froid et peut-être même à la limite la pluie. Bon, il a un élément, il n'a pas l'autre. Nous ne sommes pas en mesure de vous dire maintenant si Mario Hartz pourra faire énormément, mais j'imagine que dans quelques minutes, il sera peut-être intéressant que Laurent Bruvier aille peut-être tendre son micro au seul belge vainqueur ici au sommet du Mur de Huy, à Claudie Criquillon qui est dans la voiture, afin de savoir un petit peu comment sont les forces de nos représentants au sein de l'équipe Lotto, Verbrugge, Hartz, Verheyen, Van de Wauwer ou de Marbet, alors qu'on entame vraiment les choses sérieuses dans cette course. White, toujours très impressionnant, qui prend vraiment autant de relais que Maarten den Backer. Et pour le moment, oserais-je dire, le poids de la course sur les épaules des équipiers de Rebellin, de Jalabert et de Vinokourov. Donc ça fait plus de 100 km à deux. En tête, c'est presque le trophée Baraki que vous avez disputé plusieurs fois, je crois, Jean-Luc. Oui, plusieurs fois, mais c'est vrai que Bormann aime l'exercice chronométré. Et là, il se trouve dans une échappée. Ça lui rappelle peut-être ce genre d'épreuve. Et il met toutes ses qualités au profit. Et là, pour l'instant, il réalise aussi une bonne course pour ses sponsors. Hein. C'est indéniable avec le direct, c'est toujours bon à prendre. Petit rectificatif, je crois que je vous ai dit là tout de suite dans mon empressement, la disparition donc des côtes des forges, certainement des refs, mais la côte de Viamont est bien de retour, elle était là, c'est la troisième difficulté empruntée par les coureurs. Je rappelle la côte de Hucorgne, le Mur de Huy, trois fois, la côte du Viamont, la côte de France, la côte de Paille, et puis il restera la côte de Bel-Air, celle de Boisseau, la côte d'Ain et l'arrivée finale au sommet du Mur de Huy. Une classique qui se termine comme ça au sommet, c'est très particulier, c'est singulier, c'est ce qui fait la beauté de la Flèche Wallonne. Oui, c'est une classique difficile avec cette particularité de se terminer au haut d'un mur, d'une très très dure côte et vraiment pour ici gagner. En haut de ce mur, il faut vraiment avoir des qualités De grimpeur. De grimpeur, mais bon, même un véritable grimpeur. On peut mettre Pantani ici, je ne sais pas s'il va gagner en haut du mur du Huy. Il faut vraiment des coureurs du style de Frank Van den Broek. On a vu Armstrong gagner ici. Oui, explosif, c'est un mur, il faut savoir pousser un braquet. Même Argentine n'était pas un pur grimpeur, il s'est imposé ici trois fois, ça oui, veut quand même dire. Oui, il faut des qualités de grimpeur, mais quand même, c'est particulier comme arrivée. Moi, je suis certain que dans l'avenir, avec un Frank Van den Broek, si on le voit l'année prochaine, s'il arrive en pleine possession de ses moyens, je ne vois pas qui peut battre un coureur comme ça, par exemple, tellement qu'il est... C'est la classique qui lui va le mieux. Je pense bien. On le voit l'année passée dans Liège-Bastogne-Liège quand il a attaqué dans la côte de Saint-Nicolas, comment il a réussi à s'extraire du groupe de tête avec une facilité. Et quand le pourcentage est encore beaucoup plus élevé, que c'est encore plus raide, c'est encore plus facile. C'est pour ça qu'on cite aujourd'hui Boger, Jalabert et Bellin avant les autres ? Peut-être, oui. Je pense bien. Et c'est aussi pour ça qu'un Tchmil, qu'un Musset ou qu'un Van Petegem ne gagneront jamais ici au sommet, à moins de pouvoir avoir une échappée et d'avoir 10 minutes d'avance. Tout dépend de la tournure de la course. Voilà. À la régulière, aucune chance. Non, si on arrive avec un peloton groupé, c'est au désavantage de ces coureurs-là. Par contre, ces coureurs-là sont excellents sur les classiques flamands. On ne peut pas être bien aux Flamandes et aux Ardennaises. L'hélicoptère pour vous donner une impression très visuelle de l'écart et pour voir aussi ce qui se passe là derrière. Jean-Luc, on ne peut pas dire que ce soit la folle bagarre. Ça roule, certes, mais on ne peut pas encore dire que les choses soient vraiment lancées pied au plancher. Oui, c'est pas pied au plancher, mais c'est quand même un bon tempo. Le peloton est quand même allongé. C'est quatre coureurs, les deux coureurs de Télécom et les deux coureurs italiens. J'ai oublié le... Oh, peut-être, pas peut-être.
Je ne le pense pas parce que quand je vois quand même ce peloton, il y a des, quand même des coureurs qui ont mal dans les roues. Hein. Mais c'est vrai qu'on sent, malgré l'allure soutenue, certes, que j'insiste, cette année, la décision peut se faire plus tard et que donc il y a une certaine tendance peut-être chez certains favoris à vouloir, à ce stade-ci de l'épreuve, encore économiser ses forces. Oui, ils doivent s'économiser parce qu'ici on est dans des lignes droites et c'est pas maintenant qu'on doit commencer à battre ses cartes. Il faut encore bien rester. Il y a encore plusieurs côtes où là, vraiment, tout à l'heure, quand les gros bras vont se mettre en route, il faudra savoir répondre au démarrage d'un Jalabert, d'un Rebellin ou d'un Vinokourov ou d'un Bolt, je ne sais pas. Donc pour l'instant, on voit qu'il y a les équipiers qui mettent en ligne pour essayer surtout le danger d'Unbacker ne prenne pas trop d'avance. Cette image que vous venez de voir en surimpression, ce palmarès, pour vous permettre donc de comprendre qu'en cas de victoire aujourd'hui, Jalabert rejoindrait des garçons comme Moreno Argentine, Eddy Merckx et Marcel Kint, qui tous trois ont gagné trois fois la Flèche Wallonne. Mais voyez, ça se resserre de plus en plus. Ce qui est intéressant, Jean-Luc, c'est que pour le moment, entre Dunbacker et White et le peloton, l'écart est tout à fait stabilisé à une petite minute trente. Oui, on a bien vu que l'équipe Télécom est l'équipe, je pense, c'est lui qui gage. Je pense que tout à l'heure, on les voyait rouler. Ils sont obligés de maintenant de quand même faire la chasse derrière Dunbacker pour éviter que le duo intercalé ne prenne 2-3 minutes et tactiquement ça serait en défaveur des équipes comme Télécom, Hondes ou autres. Alors les hommes de tête vont, après être entrés dans l'entité d'Avlanche et celle d'Oé, aborder un secteur tout à coup d'ailleurs, des localités auxquelles on n'était pas habitué ces dernières années, puisqu'on va aller faire un tour du côté notamment d'Altin, de Groin, alors qu'on voit la tête donc de ce peloton. Rebellin qui compte surtout sur Specialetti, qui est un garçon en bonne condition. Voilà Jakche, qui est pour le moment, on a un petit peu vu le jeune Kessler, mais Jakche est sans doute le coureur Télécom qui travaille le plus. Mais c'est un coureur très précieux, il est encore relativement jeune et que ce soit dans les classiques ou dans les courses à étapes, c'est un tout-terrain. On le voit comme ça mener des poursuites, tant lorsque la route est plate que lorsqu'elle s'élève. On le voit aussi dans des débuts de col, parfois dans les grands tours, faire ce genre de travail. C'est un coureur très précieux et on reparlera de Jakche certainement au mois de juillet au Tour de France, où il aura également un rôle très très important. Toujours l'écart qui se resserre forcément par rapport aux deux hommes de tête et qui reste stabilisé entre Dunbacker White et ce peloton. Alors, mon cher Laurent, moi je vous aurais peut-être proposé quelque chose, je ne sais pas si vous avez l'occasion, mais peut-être un petit peu de nous recenser les noms des coureurs qui se trouvent là derrière, si vous avez l'occasion dans le peloton. Donc ceux qui soit sont à la limite cuits, ou alors qui s'économisent là, ceux qui se trouvent et que nos caméras ne nous permettent pas d'identifier pour le moment, mais je dirais dans les 10 derniers de ce peloton, ça pourrait peut-être être intéressant pour la suite de la course si vous en avez la possibilité. Oui, Rodrigo, on vient de piquer un sprint pour rejoindre les hommes de tête et aller voir Giancarlo Ferretti et je vous promets de le faire dès qu'on sera retourné derrière le peloton. En attendant, le travail de Jakche relayé et depuis un moment donc l'équipe Télécom, ou du moins une partie de celle-ci, a trouvé de l'aide. Les intérêts communs entre Vinokourov et Rebellin. On a aussi aperçu plusieurs fois dans les 15 premiers le maillot de Sergei Ivanov, le champion de Russie, déjà excellent sur les classiques flamandes. Il a fait l'impasse alors qu'il était encore à Gand-Wevelgem sur Paris-Roubaix. Oui, c'est à vous, Laurent. Voilà, je suis ici à côté du directeur sportif des Fassa Bortolo. Alors, mettre Umsas devant, c'est l'habitude, c'est votre tactique habituelle, hein. On passe à l'attaque. Oui, c'est notre habitude quand on a le coureur d'attaquer. Aujourd'hui, ils sont seulement deux, c'est dur pour arriver. Mais quand même, maintenant, nous sommes là, et on a encore presque 6 minutes d'avance. Alors, derrière, qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste la carte Belli? Bah, derrière, c'est quelques coureurs qui sont pas mal. On a Belli, on a Frigo, on a aussi Perron.
Mais ils sont de bons coureurs, mais ils sont pas formidables pour monter les Mondes de 8. Alors vous allez encore attaquer s'il y a un regroupement? Peut-être, mais on va voir. On va voir qu'est-ce qu'il reste dans les jambes des coureurs. Oui, voilà, moi ce qui m'aurait intéressé, c'est de savoir si Rumsas peut gagner la Flèche Wallonne pour lui, parce qu'il n'a quand même pas l'air de désespérer, notre ami Ferretti. Hein. On verra cela tout à l'heure. Il avait le sourire en tout cas. Oui. Je vous dis, c'est un coureur très méconnu, ce Rumsas, mais ce n'est pas un petit coureur dont vous n'entendrez plus parler pendant 2 ans. Hein. Ce n'est pas ça du tout, j'en suis convaincu. Même si, quelque part, dans cette échappée, ici, ben, quand on voit Dunbacker et White, on a tendance à dire, ben oui, il y en a un qui est de Dunbacker, tout le monde le connaît. White, on l'a découvert à Paris-Roubaix. Tandis que dans l'échappée devant, tout le monde a l'impression de dire que c'est Boardman. Évidemment, c'est vrai que c'est lui qui a le plus beau rigolo, mais je pense que des deux, si la victoire devait se jouer entre eux, je répète, Rumsas, c'est très costaud. 41 km. Et on voit Specialetti qui roule. C'est vraiment le coureur préféré de Rebellin actuellement. On voit que Jaksch y va également. Je pense que le coureur qui roule là, c'est Cristiano Frattini. Rebellin me disait ce matin, Specialetti et Frattini sont les deux qui sont le plus en forme. Effectivement, vous voyez simplement que la position de Frattini est un peu différente. Il est un peu plus en avant sur la selle. Et je dirais que Specialetti est un petit peu plus élégant. Un peu dans le style aussi de Jaksch qui se trouve là derrière. Et puis on a aussi Kamenzint, il y a Kodol dans l'équipe Lampre, qui sont deux coureurs sur lesquels il va falloir compter. Kamenzint qui est le premier des deux Lampre et qui n'avait, répétons-le, rappelez-vous, perdu contact sur l'échappée décisive avec Bartoli et Dunbacker l'année dernière qu'à cause d'un changement de KW défectueux. Ça peut faire rire, mais c'était comme ça. Zarabeysia qui passe aussi, c'est intéressant pour voir cette image. Vinokourov avec Ivanov, on est passé Frigo, voilà Bogert. Il y a Casagrande qui est toujours là, la voiture de Brunel qui vient de passer. Il y a le grand Lafis, il y a Mancebo, Ossa, Bettini, il y a encore Lelli qui se trouve là aussi. Velo, Figueras, Julik, Marcus Berg, Steve DeWolf, Axel Merckx, Verheyen, Van de Wauwer également pour nous. Je pense qu'il y a encore la tasse. Et celui-là, je pense que c'était Secchiari. Voilà Barbero aussi. L'homme qui était tombé, voilà la Barbero. C'est l'homme qui était tombé dans le tour de Lombardie alors qu'il était devant Ifraere. Et Sébastien Barbet, juste derrière Axel Merckx. Les Belges sont ensemble. Hein. Voilà Verbrugge, Farazijn, Centini. Giannetti avec la petite oreillette et Farazijn, il suit la caméra partout, regardez, Fausto, voilà Gomez à côté de Figueras, Casagrande avec le casque jaune et dans sa roue, Bogert est là, Hamburger à côté de Lafis et je pense de Van de Velde, Jonker le vainqueur du Grand Prix de Wallonie alors que Gomez dépasse Julik et Moreau aussi. Ivanov est là juste en retrait avec Lelli, Vinokourov avec Jaksch maintenant devant, Specialetti. Les relais sont un petit peu plus appuyés maintenant, Jean-Luc. Oui, un peu plus appuyés, mais il y a toujours le même tempo. On le voit, l'écart se réduit. J'ai entendu qu'il y avait encore 4 minutes 20 pour les deux hommes de tête. Ça veut dire que devant, les deux hommes de tête s'éteignent et qu'on va vivre ici dans la prochaine course certainement une accélération du peloton. Oui, une minute tous les 10 km, c'est ce qu'il faut reprendre. Oui, en général, quand on assiste comme ça à une échappée... Non, je croyais que quand on montrait que cela... Toujours être attentif quand on voit une image comme ça d'un coureur seul avec une voiture devant, on croit qu'il y en a un des deux qui est lâché. Il faut voir maintenant parce que c'est important, combien de temps ces deux hommes vont-ils pouvoir continuer. Ils ont intérêt à rester le plus longtemps possible ensemble, mais maintenant la succession des dernières difficultés va peut-être un petit peu briser cette harmonie devant, ce n'est pas impossible. Oui, ils doivent rester le plus longtemps possible ensemble s'ils veulent aller le plus loin possible, mais ça va être très difficile vu qu'ils sont déjà en tête depuis le kilomètre 37. C'est pratiquement impossible vu que la course va commencer actuellement entre les favoris dans les prochains kilomètres. Merci à Maurice Oiseau pour avoir permis de passer en revue tout ce peloton. C'est toujours très important, très intéressant pour nous. Ce n'est pas toujours possible dans toutes les courses. Mais merci aussi à nos caméramans, nos motards. Et donc plus question évidemment d'aller perdre votre temps
inutilement, mon cher Laurent Bruvier, à aller nous décrire ce qu'on vient de voir. Mais peut-être tout à l'heure une réaction de Claude Criquillon, ça serait intéressant à ce stade-ci de la course, alors que White reste toujours dans la roue de Martin Dunbacker. Dunbacker-White. En tête, White, pendant à peu près 150 km dans Paris-Roubaix, devant, et puis tout seul derrière pendant ce qu'il a resté de l'épreuve, la deuxième moitié. Et le revoici encore à l'attaque. Toujours Speciality, je crois qu'il y a maintenant Hepner qui est venu. Ah, il y a quelques maillots télécom en plus. Jacques n'est plus seul pour le moment. L'équipe télécom qui est sans doute avec l'équipe Rabobank, la seule qui peut offrir trois candidats à la victoire aujourd'hui. Rebellin qui se trouve pour le moment en 7-8e position et qui n'a pas quitté pratiquement le top 10 depuis notre prise d'antenne. Et encore un relais très très appuyé. Je me demande si c'est pas le vétéran Jens Hepner qui a fait cela. On voit aussi très bien placé en 7e position le petit Bettini, 8e Ivanov. Les écarts maintenant, 4 minutes 10 de retard pour Dunbacker et White, 5 minutes 30 pour le peloton. Et toujours cet écart stabilisé à 1 minute 20. Ça veut vraiment dire que Dunbacker et White vont très fort pour l'instant. Et oui, et pour le peloton, le danger c'est le duo de contre-attaque avec Dunbacker. C'est là que se situe maintenant la clé de la course au niveau surtout du déroulement ici dans les prochaines côtes. Eh bien c'est encore Mathias Kessler qui roule là devant Jaksche, l'homonyme de ce célèbre entraîneur de football. Quand je vois maintenant l'équipe télécom rouler comme ça, je ne serais pas étonné de voir tout à l'heure un coureur comme Vinokourov passer à l'attaque. Il doit essayer quelque chose, Vinokourov. S'il roule comme à Paris-Nice, on l'a vu pratiquement dans chaque étape à l'attaque. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Kessler, en fait. Il était troisième l'année dernière au championnat du monde Espoir à Vérone, médaillé de bronze, et c'est le dernier champion d'Allemagne chez les Espoirs. Il fut aussi cinquième du championnat du monde junior à Saint-Sébastien, donc en deux ans, deux fois dans le top 5 de championnat du monde, c'est pas mal. Il vit à Nuremberg, c'est un garçon qui n'a pas encore 21 ans, il aura 21 ans le 16 mai. C'est un néo-professionnel et le poulain de Mario Kummer, qui fut un des tout premiers coureurs de l'Allemagne de l'Est à l'époque à passer professionnel. Et il n'aura aucun problème d'intégration puisqu'il est issu de l'équipe des jeunes de Télécom. Il devrait se consacrer dans un premier temps à petites épreuves par étapes. Mais il a peu de points faibles, on le voit. Et c'est en tout cas un de ces jeunes coureurs, de ces nouveaux visages que l'on a découvert. Gros, gros travail derrière donc de Mathias Kessler qui relaie tant et plus maintenant avec Jaksche. Ces deux-là est toujours White, regardez, qui martyrise son vélo et toujours de fameuses mimiques sur un parcours tout à fait différent. Et je voudrais vraiment insister sur l'exploit. On le disait, Farah Zain était le seul des coureurs classés dans les 30 premiers de Paris-Roubaix qu'on ait pu voir à l'action. Mais sincèrement, enchaîner deux efforts comme cela en quelques jours, il faut avoir des facultés de récupération assez extraordinaires. Je me souviens que dans le temps, il y a une petite demi-douzaine, une dizaine d'années, disons, c'était la grande spécialité des frères Madiot. Ça, c'était surtout de Marc Madiot, c'était d'enchaîner Paris-Roubaix et la Flèche Wallonne. C'était un des rares à faire cela avec une certaine réussite. Oui, mais quand même, quand on voit maintenant les équipes d'aujourd'hui, il y a quand même dans chaque équipe deux équipes bien distinctes, c'est-à-dire une équipe pour les classiques flamandes et une autre équipe pour les classiques ardennaises. Et de demander à des coureurs de rouler, de prendre le départ des classiques flamandes et puis des classiques ardennaises, il faut vraiment avoir affaire à des coureurs avec un moteur solide. Mais c'est difficile, hein, et de voir Farah Zain maintenant encore aux avant-postes et ce White également, bon, c'est quand même des coureurs avec une rude santé. Hein. Kessler et Jaksche pour Télécom, Frattini en compagnie de Speciality pour Liquigas. Ça fait un bon moment que ce sont ces quatre mêmes coureurs qui assurent vraiment le rythme. D'ailleurs, on voit que c'est un équipier de Roomsas qui est en cinquième position.
Et donc ces quatre coureurs sont en train de se livrer. Pour le moment, ces quatre coureurs vont beaucoup plus vite que ces deux-ci, mais ne vont pas plus vite que les deux qui sont intercalés. Tel est le point assez simple de la situation. Et oui, et ce qui est intéressant de voir aussi en tête du peloton, c'est le travail des équipiers de Rumsas, Vassa Bortolo. On les voit bien en 5, 6, 7e position. Ça veut dire qu'il va y avoir la contre-attaque derrière Dunbaker. On va certainement voir des coureurs de Vassa Bortolo accompagner les contre-attaquants. Et voici la tête du peloton sous la conduite de Frattini. Celui-ci c'est Cristiano, à ne pas confondre avec Francesco qui remporte une épreuve de Coupe du Monde. C'était le Grand Prix de Francfort. Très près de la moto là, même à mon avis un peu trop. Mais splendides images en plein mouvement. Très spectaculaire, regardez cette descente. On se croirait en tête du peloton. Ah ouais, ouais, c'est comme si vous y étiez. Ah, il faut sentir la course et savoir exactement la vitesse à laquelle il faut aller quand on est motard. Hein. Et je pense, oui, c'était certainement des images qu'on devait à Philippe Radley. Jean-François Vaucard est dans la moto numéro 2. Et Eric Van Limbergen donc à la une. Christian Stock à la caméra. Et toute l'équipe de Maurice Loiseau qu'on retrouvera bien sûr au grand complet dimanche dans Liège-Bastogne-Liège. 120 km en direct, les 120 derniers forcément. Et puis vous, comme invité avec Vincent Langendries, avec un petit studio qu'on aura juste derrière. Eddy Merckx qui sera là aussi. On va mettre les gros moyens, bien sûr, Laurent Bruvier sur la moto, et puis plein d'autres invités, des surprises, et vraiment la fête du vélo toute la journée, dimanche. Vous en avez déjà un avant-goût aujourd'hui. Alors, si vous m'entendez, Laurent Bruvier, hein, il serait peut-être intéressant d'aller faire un petit tour outre du côté de Colicriquillon. Il y a peut-être aussi l'avis de Rudy Pévenage, hein, parce que ce que fait l'équipe Télécom, c'est quand même très très clair. J'ai l'impression que c'est pour Vinokourov et pour Bols, voire pour Clauden. Mais en tout cas, il est évident que les avis de ces deux directeurs sportifs belges nous intéresse très certainement, alors qu'on peut quand même constater que pour la première fois l'écart a diminué entre Dunbaker White et le peloton. Il n'est plus d'une vingtaine mais d'une minute. On y va. Oui, parce que c'est très intéressant d'avoir un peu l'avis de Rudy Pévenage, parce qu'il a quand même donné ordre à ses coureurs de prendre la chasse. Ils ont pris la chasse à leur compte et c'est toujours intéressant. Ils vont plus faire le coup de Paris-Roubaix. Oui, là, il est quand même à Paris-Roubaix. On pouvait se poser des questions sur leur tactique, mais enfin, bon, Isabel a pris ses responsabilités. C'est pour ça, c'est intéressant d'avoir l'avis de Rudy Pévenage. Dans l'entité d'Andenne, nous arrivons à Coutis, et puis l'entité de Gèves, ce sera Altine, au château à droite, Vergroine, Bel Air et le pied de la côte, la 7e. Des 10 difficultés répertoriées, et je pense que ce sera l'enchaînement de Bel Air et de Boisseau qui va nous permettre de voir que les choses vont progressivement se décanter avant évidemment la côte d'Ains, dont le sommet est situé à 11 500 km de l'arrivée au sommet du mur de Huy. Donc 4 ascensions encore. Oh, regardez comme c'est noir là-bas au fond, Jean-Luc, comme si c'était l'orage. Il faudra essayer de passer à travers ici. Ah oui, ça me paraît plutôt dégagé. Mais les coureurs vont-ils encore devoir affronter des conditions météo, même passagères, difficiles? Ça n'est pas impossible. En tout cas, c'est très sombre là-dessus. Et quand on est coureur cycliste et qu'on est là comme ça sur le vélo et qu'on voit ça là-bas au bout, ça vous fait un petit coup au moral? Maintenant, je vais dire non, parce qu'on est au cœur de la finale. Si on avait connu ce temps-là, si on voyait le temps s'assombrir en début de course, oui, pour le moral, c'est difficile. Surtout qu'il faisait froid aujourd'hui. On pouvait même craindre à certains moments de la grêle, de la neige, pourquoi pas. Et puis Dunbaker était avec Bartoli l'année dernière dans des conditions autrement plus épouvantables. Exactement. Mais maintenant, les coureurs se trouvent au cœur de la finale et pluie ou pas pluie, les coureurs ne pensent qu'une chose. Maintenant, c'est essayer de réaliser une bonne performance. Et les hommes de tête qui rentrent à Altine. Trois mots. Stru. Au bois. Altine.
Et à Stru, il y a même un petit ruisseau qui s'appelle le Struvio. Je ne me demande pas, c'est vrai. Ne rigolez pas. Je ne vous contredis pas, Rodrigo. On est dans une superbe région, hein. C'est vrai. Et on... Rodrigo ? C'est à vous, Laurent. Voilà, je suis aux côtés de Rudy Pévenage. Alors, Rudy, vous avez demandé à vos hommes d'aller rouler en tête. Ah oui, je pense que c'était le moment pour faire quelque chose, parce que si on laisse prendre Dembaker 3 minutes, on peut encore, on peut plus rien faire dans la finale. Et c'est vrai qu'il y a des autres équipes qui pouvaient travailler, mais ils n'ont pas envie pour le moment. Alors chez vous, ce sera la carte Vinokourov ou Claudin pour une surprise dans le mur de Wii? Mais Andreas Klöden est déjà hors de la course, il est tombé au début de la course. Il s'est fait mal au genou, mais on a aussi Ude Bos qui marche bien. Et on a pris notre responsabilité dans la course pour travailler, sinon tout le monde reste sans rien faire. Et heureusement, il y a aussi l'équipe Liquigas qui a travaillé avec, mais les autres équipes, ils n'ont rien voulu faire. Voilà donc, avec l'information d'Andreas, la chute d'Andreas Klöden. Oui, c'est pas de chance pour cette équipe-là, mais ça confirme en tout cas bien ce qu'on pensait au début de la course. Et donc, les deux coureurs vraiment protégés sont, et disons, dont les caractéristiques sont les meilleures pour cette course-ci, sont Vinokourov et Bölt. Alors Jean-Luc, une petite analyse rapide du style. On voit que ça devient dur quand même pour Bordman au pied de la côte de Bel Air. Oui, maintenant ça fait quand même déjà pratiquement 140 km d'échappée pour ces deux coureurs-là. Et pour Rumsas c'est Bordman, même si Bordman est un excellent rouleur, les kilomètres se font sentir et là... Je puis vous dire qu'actuellement, pour les deux coureurs de tête, ça commence à peser lourd dans les jambes. Et je suis vraiment séduit, impressionné par ce garçon, Matthew White, troisième année professionnelle, quasiment inconnu au bataillon, une étape du Tour de Tasmanie remportée en 1998 alors qu'il était néo-professionnel dans la petite équipe chez Jean-Paul II, Amore et Vita. Et puis l'année dernière, première saison chez Willy Caldirola, sixième étape du Tour de Suisse à son palmarès, ce sont ses deux seuls succès, et quatrième quand même du contre-la-montre du Tour de Suisse, mais à part cela, inconnu, jamais vu dans les classiques, époustouflant de courage, de volonté dans Paris-Roubaix, et de nouveau dans le coup ici. Bravo à lui, même si ce sera probablement vain, parce qu'on a vraiment l'impression là que le travail commence, et cette superbe image que nous propose Maurice Loiseau, avec toujours ce même quatuor, même si on dirait que c'est Vinokourov qui reste un petit peu en réserve dans la roue d'un équipier de Rumsas. Mais toujours donc Kessler, Jaksch, Fratini et Specialetti à Altin. Et on a vu aussi De Bols qui était très attentif aux alentours de la 7-8e place. Et dans son entourage, on dit que c'était peut-être un des plus costauds autour du Pays Basque. Donc la côte de Bel Air a été franchie par les hommes de tête qui sont désormais à 36 km de l'arrivée, qui se dirigent vers Croin et la rue de Lustin avant d'entrer dans l'entité d'Andenne. Et c'est donc la côte de Boisseau qui va se présenter à ses coureurs tout à l'heure, dans quelques instants. En réalité, la côte de la Flime, m'a précisé bien aimablement M. Pignolet de Gève, qui est formel, qui dit qu'en fait, le passage le plus dur serait évalué à 13% et non pas à 20% comme on l'a dans les livres officiels. Faisons-lui confiance, moi je veux bien. En tout cas, la côte de Boisseau sera la 8e difficulté au programme des hommes de tête. Voilà le château d'Altine que l'on découvre ici, superbe. Et donc au château, vous l'avez vu à droite, vers Groin. Et puis Bel Air, à leur tour, les coureurs
le peloton en tout cas, va aborder cette septième difficulté. Plus de côte d'Ossogne que l'on avait franchi l'année dernière. Et donc la côte de Bel Air est longue d'un kilomètre exactement. Ouais, et clairement maintenant ce n'est plus une minute, mais c'est carrément 50 secondes entre Dunbaker White et les poursuivants. À ce stade-ci de la course, je me demande si Dunbaker n'aurait pas intérêt un petit peu à se réserver. Peut-être, mais comme on arrive près de la côte de Bel Air, il a peut-être intérêt à essayer... Seul alors ? Non, ils doivent arriver encore échapper dans cette côte-là, parce qu'on risque de voir maintenant une contre-attaque dans le peloton. On doit quand même mettre l'accent sur le duo de tête. Hein, on doit quand même admettre qu'ils ont fait aujourd'hui un truc, parce que je vois une attaque apparemment dans le peloton. Rodrigo, c'est à vous. Je suis avec Claudie. Alors, Claudie Fiquelion, Rudy Pevenage se plaignait d'être seul à rouler. Vous avez encore beaucoup de coureurs, vous pourriez aller prêter main forte aux hommes en tête du peloton. Oui, effectivement, j'ai encore beaucoup de coureurs. J'ai 6 coureurs sur la groupe d'une cinquantaine d'hommes, mais bon, je crois que je ne dois pas fatiguer mes hommes maintenant. Il y a certains parmi les 6 qui sont contents d'être là déjà. Donc je ne vais pas leur demander de se faire exploser tout de suite. Bon, on verra la suite des événements, mais bon, vous savez, Telecom a déjà eu pas mal de cadeaux cette année, donc je ne vois pas pourquoi on devrait en faire aujourd'hui. Alors, double vainqueur de l'épreuve, vous savez très bien comment on doit gérer cette course. Ouais, comment la gagner sur le vélo? Bon, je ne suis pas sur le vélo, donc c'est pas moi qui pédale. Bon, je peux bien sûr les aiguiller un petit peu. Je vais montrer ce matin la meilleure façon d'aborder le mur. Mais bon, maintenant, il faut essayer de l'appliquer, j'espère, en tout cas. C'est quoi la meilleure façon d'aborder le mur? Écoutez, il y a plein de monde ici qui a la télévision dans la voiture, donc ils écoutent peut-être la RTBF, donc je ne vais pas dévoiler maintenant. Merci Claudie. Il ne faut pas oublier que Claudie a quand même commenté pendant près de 10 ans avec moi cette course. Et il sait, hein, on va pas, et il faut lui faire confiance. Et c'est clair qu'il a encore 6 coureurs. Et qui sont ces 6 coureurs? On peut imaginer que les deux qui ne sont pas là sont probablement Verheyen et Dolander, moi d'après ce que j'ai vu. Wuits et Dolander. On peut penser que Verheyen n'est peut-être pas trop bien, que De Marbet a eu un peu de difficulté, mais il reste quand même encore Arts, Van der Wauer, Everbrugge, et Claudie est clair, il est net. On va pas faire de cadeau au Télécom, mais faisons-lui confiance pour la tactique à aborder, en tout cas dans cette flèche wallonne qu'il connaît mieux que personne. Mais en tout cas, ça bouge, ça réagit derrière, et toujours cette course aussi un petit peu spéciale en contre-attaque. Des coureurs de Faso Bortolo qui restent le plus longtemps dans les roues, et puis subitement, petite accélération, là, on a vu Belli à un moment donné, on voit encore maintenant, on sent que il y a encore du potentiel aussi en réserve chez Ferretti. Donc maintenant les hommes de tête doivent plonger sur Andenne qui s'est développé autour d'une abbaye, vous le savez certainement, voilà, fondée à la fin du 7e siècle par Sainte-Bège, fille de Pépin l'Ancien, la place des Tilleuls, la rue du Commerce, et tout au bout, à droite, pas vers Pont-Sanson, ça c'est de l'autre côté, mais vers la côte de Boisseau. Voilà. C'est exactement ce que font les coureurs, mais ça va de plus en plus vite derrière et les hommes forts sortent et ils n'auront plus que 2 occasions de le faire avant l'explication finale dans le mieux de oui. Pour le moment, Jean-Luc, rien n'est fait, mais on ne s'est plus trouvé avec un tel paquet de coureurs depuis très longtemps. Je me souviens que l'année où Hamburger a gagné, il y avait quand même pas mal de monde à l'époque en Franck-Vandenbroek, c'était classé 2e. Mais là, pour le moment, il y a encore beaucoup de coureurs qui doivent peut-être y croire. Oui, encore beaucoup de coureurs, pratiquement un bon 30 km de l'arrivée. US Postal et Lamprey qui commencent aussi à relayer. Donc c'est fini. On a laissé travailler Telecom et Liquigas, mais maintenant, ce sont pratiquement 3 ou 4 équipes supplémentaires qui ont délégué un homme. Et ça risque, à mon avis, de payer. J'imagine que l'objectif des favoris, c'est, à défaut de la côte de Boisseau, au moins d'être rentré avant la côte d'Ain. Oui, certainement. Et on voit maintenant peut-être que les favoris, ils doivent prendre leurs responsabilités en faisant rouler l'un ou l'autre coureur, parce que il y a toujours les deux coureurs, mais les deux contre-attaqueurs, Dunbaker, qui doit quand même, cette contre-attaque avec Dunbaker doit gêner quand même les favoris dans le peloton. Les favoris sont à 30, un peu plus de 30 km, les favoris, les premiers, pardon, un peu plus de 30 km de l'arrivée, et je crois que c'est Vinokourov qui essaie de sortir comme cela. Nous sommes un peu haut.
Si c'est lui, c'est un peu tôt, mais avec lui, c'est le genre de coureur qui est capable d'attaquer 4-5 fois dans un final. Hein. Oui, certainement, mais s'il attaque là, il doit attendre... Et Bolt en troisième position. Oui. Ah, c'est l'artillerie lourde là, qu'on sort du côté de chez Télécom maintenant. Oui, on va voir maintenant dans les prochaines attaques, ça sera vraiment les favoris qu'on va voir aux avant-postes et dans les attaques et dans les contre-attaques. Il y a Ivanov qui est très présent aussi aux avant-postes. Il y a un Onse. Et voici la côte de ou du Beau Isso avec Christopher Bortmann. Donc ici maintenant, et Roussas. Dans les prochaines minutes, ici on va voir vraiment derrière, dans le peloton, les favoris qui vont s'extraire, ça c'est certain, parce que cette côte, c'est vraiment une très très dure côte, longue, 3 km aidée. 3400 mètres. Oui, 3400 mètres, elle n'est pas facile. Oui, avec notamment du 13% au début, regardez, ce n'est pas encore le mur de Huy. Mais c'est dur, et Maurice Loiseau vous propose... Je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure, mais peut-être une des dernières fois ces deux hommes. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir voir après, à la sortie d'Andenne, ce qui va se passer dans le groupe des poursuivants. Où manifestement, ça bouge. Voilà de nouveau Dunbacker et White à leur tour. Tout au bout de la rue du commerce. On vire à droite. Et sur la grande route, on va aller chercher avec ses hommes également cette côte. Le peloton doit être vraiment sur les talons. Regardez, le peloton est sur les talons maintenant de Dunbacker. Le voici à toute allure. L'écart 3 minutes 8 de retard pour Dunbacker et White. 3 minutes 20 pour le peloton. 3 minutes 20 à 30 km de l'arrivée. Pour le moment, on en est toujours avec la possibilité pour Roumsas et pour Bormann d'aller au bout. Mathématiquement. On est toujours à la minute tous les 10 km. Si on prend une minute tous les 10 km, mais maintenant pour ces deux coureurs-là, pour arriver à franchir le mur de 8, il faudrait qu'ils arrivent encore avec leur... Combien ? Deux minutes. Pour gagner. Avec une minute, ce n'est pas assez. Je ne pense pas. 2 minutes au pied du mur pour arriver au bout. Oui, pour avoir une petite chance de gagner, il faut savoir que ces gens-là, ces deux coureurs-là, ça va faire 100... Ah, c'est très facile, Jean-Luc, parti au kilomètre 37. S'ils arrivent au sommet au kilomètre 172, ça leur fera très exactement 135 km seuls en tête, tous les deux au sommet de cette côte. Moi je dis pour gagner, ils doivent arriver avec 2 minutes d'avance au pied du mur de 8. Bien compris. Au pied du mur de 8. Regardez comme ça roule derrière, l'écart s'est encore réduit sur les deux échappés. Hein. Oui, donc il leur faut encore 2 minutes dans 25 km. Ils doivent arriver avec 2 minutes d'avance au pied du mur pour espérer, parce qu'il faut savoir quand dans le mur de 8, ça va sprinter pour la victoire finale et qu'on a affaire à des gens fatigués, ça va vite. Hein. C'est évident. En tout cas, c'est une très belle prestation de la part de Bormann et de ce Roumsas, parce que prendre 12 minutes, qu'on voit la moyenne de l'épreuve, 41 aidés de moyenne, je pense. Il faut quand même le réaliser. Et cette moyenne est réalisée par ces deux hommes. C'est quand même une belle prestation. Alors attention, voilà le moment précis où Dunbacker et White vont être repris par le peloton. Énorme, énorme travail donc des équipiers de la Deutsche Telekom et de Liquigas qui auront été vraiment les grands animateurs. Mais maintenant, que vont faire les Rabobank? Que vont-ils faire? Ben maintenant, on doit les voir à l'attaque. Normalement, après cette attaque de Dunbacker, on doit voir peut-être... Bogert, Berg, Abersolt. Oui, pourquoi pas, ou un Marcus Berg. Regardez, il y a déjà des Rabobank qui viennent se placer à gauche. Et regardez bien, comme s'il se passait quelque chose. Je pense, Maurice, que si on en a la possibilité, il faudrait rester avec le groupe des poursuivants. Oui, parce que ça va se passer derrière maintenant. Parce qu'ici, on est, je le répète, dans l'antépénultième difficulté. Les 800 premiers mètres sont à 12%. Il y a 3 paliers, la fin sous les arbres. Ce qui n'est pas toujours facile pour la télévision, on ne se rend pas compte. Mais vous savez, dans les bosses flamandes, on est parfois plus près, mais c'est plus dégagé. Et ici, il y a des arbres qui sont très hauts. Et au niveau des relais, ceci explique cela. Bon, c'est quand même pas aussi haut que dans le Poggio. Mais enfin, il faut parfois ouvrir les yeux. Mais toujours,
deux équipiers, un de la Télécom, un de Nick Huygens. Et on voit que, contrairement à Weidenbacher, a encore des forces. Il est en tout cas venu se placer à la 7e position. Ça reflète son niveau de forme, sa condition physique. Il vient de réaliser ici quand même une contre-attaque qui a duré peut-être 35-40 km. Et d'habitude, une fois qu'un des coureurs se font rejoindre, on les voit directement basculer à l'arrière du peloton. Tandis qu'ici, il s'accroche dans les 10 premiers. Et sa lucidité aussi, Jean-Luc. Hein, il est venu se mettre pas dans la roue de n'importe qui. Il est venu se mettre juste dans la roue de Vinokourov, un rival et un des principaux rivaux. 2 minutes 50. Et c'est évidemment sur ce genre de portion que l'écart aura tendance à diminuer le plus rapidement. C'est tout à fait normal. Et toujours un travail colossal de la part de l'équipe Télécom, vraiment. Avec l'arrivée sur la gauche de Laurent Jalabert. Rodrigo ? Oui, c'est à vous, Laurent. Juste pour vous dire que Figueras est en difficulté en queue de groupe. Enfin, il reste avec le groupe, mais il fait quand même un petit peu l'accordéon. Ah, c'était un des trois coureurs protégés. Donc, ce sont manifestement, comme on le pensait, Bettini et Merckx qui ont les plus belles cartes dans l'équipe Mapei, avec en réserve peut-être Renaud Gentil. Il y a une attaque, il y a un coureur qui sort du peloton à toute allure. Oh, c'est un loto, c'est Verbrugge. Rick Verbrugge, quel joli coup de panache. Ah, il est chez lui pratiquement, il en rêve de cette flèche. Magnifique Rick Verbrugge, superbe. Il anticipe, il ne veut pas attendre, il connaît cette région comme sa poche. On sait que le mur de Wibe, il s'y entraînait très souvent à l'époque où il vivait encore chez ses parents et les Cides. Et maintenant, c'est plutôt du côté de la côte des Forges qu'il s'entraîne, c'est son terrain de prédilection. Il monte, il remonte sans cesse cette côte et il est là, il est prêt. On le connaît bien. Il était déjà excellent la semaine catalane. Autour du Pays Basque, une chute dans laquelle il n'a pas été impliqué lui a fait perdre du temps le dernier jour. C'est pourquoi il n'a pas disputé le contre-la-montre à bloc. Mais il est fin prêt. On peut quand même rappeler aussi que Rick Verbrugge s'était classé 13e en 98, 21e l'année dernière. Et j'ai l'impression qu'actuellement, il lui manque peut-être encore un peu de puissance, un peu de maturité, mais la flèche lui convient peut-être même mieux que Liège-Bastogne-Liège. À lui peut-être de nous démentir dimanche, on ne demande que ça. Mais en tout cas, il est là avec beaucoup de panache et il se montre. C'est un coureur qui progresse, qui a fait donc le Tour de France l'an passé, qui l'a terminé. Oh, il a fait un beau trou. Il a fait un beau trou, une belle initiative, une belle attaque au pied. J'étais même étonné de voir aucune attaque et son attaque, il faut le faire. Remarquable. Oui, c'est une très belle attaque de Rick, il doit profiter parce que maintenant, s'il y a une contre-attaque derrière lui avec les favoris, bon, il sera directement peut-être attrapé, mais avec la bonne échappée. Magnifique Rick Verbrugge dans la flèche wallonne où Masson en 38, Cérami en 60, ça fait juste 40 ans, et Criquillon en 85-89 sont les trois wallons à s'être imposés ici. Et en tout cas, il a fait un trou important, mais de toute façon, forcément, il a des belles jambes pour faire ça, mais il a du panache, il veut se montrer, il est là, et c'est impeccable. Rick Verbrugge, époustouflant dans les chronos du Tour de France l'année dernière, qui est venu en forme un petit peu plus tôt que les autres saisons. Il était déjà là dans Paris-Nice. Et regardez, c'est symbolique. Hein. L'homme qui fait le travail derrière, c'est celui qui a le plus roulé, c'est Dunbacker. Oui, certainement que maintenant Dunbacker doit se dire, et bon, vu l'effort qu'il vient de fournir dans cette contre-attaque, il est peut-être plus suffisamment costaud pour gagner la course. Donc il se sacrifie ici pour essayer de réduire l'écart sur Rick Verbrugge. Verbrugge, un spécialiste du chrono, donc de l'effort en solitaire. Même si c'est sur une portion où il n'y a pas trop de public, le rêve arrivé peut-être un petit peu détaché, évidemment, au pied du mur et alors poussé par ce public, qui sait. Bon, il y a encore Benahin entre deux, il faut encore passer cette côte-là. Benahin qui se situe à donc, 12 km de l'arrivée, qui n'est quand même pas négligeable non plus. En tout cas, il joue son va-tout. Oui, il joue son va-tout, c'est très bien, c'est bien joué parce que s'il y a maintenant, normalement, on doit avoir une contre-attaque des favoris derrière, il sera réintégré, mais avec les meilleurs de la course. Quand on est fort, il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets. Lui n'en aura de toute façon pas. Il tente sa chance et regardez l'écart qu'il a creusé dans cette côte, c'est pas mal quand on connaît l'opposition. L'écart qui s'est stabilisé
Et ce qui pourrait maintenant arriver de mieux à Rick Verbrugge, comme le disait très justement Jean-Luc Vandenbroek, c'est que ça revienne. Et je vois, c'est pas Merckx qui est sorti. Il semble bien. Oh là là, Verbrugge et Merckx. Oui, oui, c'est son style. Il a aussi retrouvé une certaine puissance, Axel, et peut-être une certaine confiance. Deux podiums en Coupe du Monde, deuxième à Saint-Sébastien, troisième à Lombardie. Oui, vous voulez intervenir, Laurent? Oui, pour vous dire que Verbrugge et Merckx sont devant et que Van de Weer a été lâché, lui, derrière. Oui, eh bien, quel scénario assez exceptionnel pour le moment. Verbrugge et Merckx sortis du peloton dans cette dernière portion de la difficile côte de Bohisseau. Ce sont deux coureurs qui savent qu'ils sont suffisamment bons pour terminer dans les 15 premiers. Merckx était 14e l'année dernière en arrivant avec le peloton. Mais 15e, qu'est-ce que ça peut leur apporter? Ils savent que pour avoir une chance de gagner, il faut pouvoir précéder des garçons comme Jalabert et Boger. C'est mieux de voir une attitude pareille. Et moi, je préfère voir Verbrugge et Axel Merckx dans cette position-ci, même s'ils se font rattraper dans Banahin. Mais au moins, ils tentent quelque chose. Et là, ils n'auront aucun regret, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est un très bel effort. On voit ici Axel avec... il est en plein régime. Il va rattraper donc Rick Verbrugge. Et on a un beau duo. Un splendide duo. Axel Merckx, 27 ans. Rick Verbrugge, 25 ans. Eh bien, on croyait ne pas voir de Belges aujourd'hui. Vandenbroek absent, Breulans absent, Hartz diminué. Eh bien, regardez. Et regardez, Axel n'attend même pas. C'est bon pour le moral de Verbrugge, oui, ça. Ce qu'il y a, en général, quand on voit un coureur boucher un trou, il met un temps d'arrêt dans la roue du coureur qu'il vient de rattraper. Et Maurice Oiseau vous zoome sur ce numéro 1. Regardez, il fait honneur à ce numéro 1 aussi. Et le numéro 156, Merckx Verbrugge, en contre-attaque, entre les deux hommes, l'échappée matinale et devant le peloton. Remarquable collaboration de deux hommes tout à fait différents, qui ont des profils différents, mais qui sont des hommes qui peuvent à la fois s'illustrer, qui trouvent au niveau des classiques, dans la Flèche Wallonne et dans les Bastelliers, les deux courses qui leur conviennent le mieux. Derrière, vous voyez que c'est en train de revenir. Attention, c'est le téléobjectif, mais ça a fort explosé dans le peloton. Oui, ça a fort explosé, donc ça doit aller très très vite. On voit Bettini qui se trouve devant, qui ne passe évidemment pas, c'est normal, ça se regarde un petit peu. C'est intéressant, il y a Bettini et je pense qu'il y a Verheyen aussi. Il y a un équipier de chaque, de Verbrugge et de Merckx, qui essaie de casser le rythme. Oui, ça va très vite maintenant, nous sommes en pleine finale. Et je dis, la performance de Verbrugge et d'Axel, c'est très bon. Regardez, clairement, Bettini et Verheyen à ce stade-ci font un travail exceptionnel d'équipier. Oh, regardez, c'est clair. Ah, mais il ne roule pas la Bettini, regardez. C'est un faux rythme qui l'emmène là. Oui, c'est un faux rythme, mais il n'y a aucune cohésion. Pour l'instant, il n'y a pas de coureur qui roule pour essayer de réduire l'écart. C'est le bon augure pour le duo. Et pour la première fois, les Rabobank sont à côté du sujet. Il y en a juste un qui remonte. Je me demande si ce n'est pas le petit Nicky Abersol. Petit moment donc d'hésitation dans la poursuite. Certainement rivalité aussi. Rivalité aussi. Alors, Roumsas. Normalement, l'écart a dû se réduire sur l'accélération de Verbrugge. 1,45, c'était notre dernier écart. Oui, 1,45. Oui, bon, j'ai dit... Au sommet, hein, c'était l'écart au sommet de la côte, soit à, très exactement, Jean-Luc, 26 km de l'arrivée. Voilà, le panneau des 25 km. Voilà, 25 km, nouvel écart, 1 minute 20 secondes. 1 minute 20 secondes de retard pour le duo Merckx-Verbrugge. Verbrugge qui avait été éblouissant, moi je me souviens, dans le Tour de France. Il y a encore une mentalité aussi qu'on retrouve de moins en moins dans le cyclisme professionnel. Lorsque Dirk Sens a gagné son étape à Saint-Etienne au Tour de France, Verbrugge était dans le groupe et ses compagnons lui avaient reproché de ne pas avoir contré. Il avait dit, mais moi je ne me sentais pas capable de gagner et je préfère tout simplement que ce soit un Belge qui gagne ce jour-là que de ramener quelqu'un. C'était la réponse avec le peloton. Est à 1,40, donc 20 secondes derrière ce duo. Il s'entend magnifiquement bien, c'est normal. Maintenant, dans la tête de Rick et d'Axel, ils doivent rouler, bien collaborer, ne pas commencer à se regarder ou compter ses coups de pédale parce que le peloton, il risque d'avoir une réaction encore derrière. Il y a encore la côte de Banahin, là, donc ils doivent surtout bien s'unir pour essayer
de reléguer le peloton le plus loin possible. Belle image, encore que celle-ci, au moment où nous rentrons dans la province de Liège, Merckx et Verbrugge en contre-attaque. Ah, c'est une superbe image. Verbrugge qui se retourne. Alors, l'écart. Ça n'est pas mal, hein, Jean-Luc. Oui, c'est un bel écart déjà. Ça n'est pas mal. Ça fait 18 secondes, mais chrono manuel, hein, vraiment. Ça se met à rouler de nouveau. Et maintenant, vous êtes là, chez vous à la maison, comme si vous étiez dans la roue de Merckx et de Verbrugge. Mais je rappelle que devant, il y a toujours Roomsas et Boardman. En tête depuis bientôt 150 km à 2. Formidable. Oui, c'est à vous, Laurent. Je suis avec Serge Parsani. Alors, lancer Merckx devant, c'était prévu? Non, c'était pas prévu, mais comme on a Bettini qui l'a bien, on a essayé de lancer Axel pour voir s'il peut prendre du terrain. On sait jamais que derrière, les favoris se contrôlent, ils peuvent prendre du temps et peut peut-être arriver jusqu'au bout. Mais l'homme fort et l'homme que vous protégez, ça reste Bettini. Oui, bien, Bettini, il a les moyens pour faire un arrivée au mur de Wies. Axel est un peu moins de qualité pour un arriver au sommet comme ça. Alors, on veut jouer la carte Axel maintenant pour voir s'il peut faire quelque chose avant que tous les favoris arrivent au mur de Wies ensemble. Voilà, oui, donc la tactique de Mapei. Oui, je pense que le directeur sportif de Mapei a tout à fait raison et il essaie de tirer le profit maximum des qualités intrinsèques de chacun. Axel doit, comme on le disait, pouvoir anticiper le mur de Wies. Bettini a prouvé lors des deux ascensions que lui, il avait justement l'explosivité pour éventuellement inquiéter Jalabert, Evelyn et autres bogueurs. Je pense que tactiquement, c'est bien vu. Répétons-le, si Merckx et Verbrugge sont dans le même cas, en restant dans le peloton, ce qu'ils peuvent espérer, c'est une place entre la 10e et la 15e. En faisant ceci, peut-être qu'ils seront 30e ou 35e tout à l'heure, mais ici, au moins, ils espèrent, ils peuvent peut-être profiter d'un coup et autant essayer de regarder le relais puissant là, de Merckx. Verbrugge a du mal à rester dans sa roue. On va voir, on va essayer de prendre un nouveau pointage ici, juste à ce virage. La côte d'un 8 km encore. Hein. Ah, quelle très belle flèche wallonne une nouvelle fois. En tout cas, c'est la preuve que malgré tout, il y a encore des coureurs qui, dans le cas de ces deux-ci, ne sont pas encore arrivés à pleine maturité, ont encore une marge de progression indiscutablement. Oui, c'est bien joué parce que maintenant, pour Axel, Eric, la flèche wallonne, c'est quand même quelque chose d'important. C'est le premier rendez-vous important pour ces coureurs. On peut rappeler que, par exemple, pour Merckx, c'est la toute première fois qu'Axel vient courir en Belgique cette saison. Oui, et bon, il ne rate pas son entrée, alors c'est vraiment beau. Et surtout après l'attaque de Rick Verbrugge, il a bien réagi derrière. Il est revenu avec beaucoup de facilité parce que quand il a repris Verbrugge, il n'est même pas resté dans sa voie arrière pour récupérer. Il a directement pris le relais. Verbrugge, lui, était 21e de Paris-Nice, 5e du Critérium international, 7e de la course de côte, 11e du chrono. Il vient de sortir 27e du Tour du Pays Basque, mais c'est un résultat qui est très relatif puisque je vous ai expliqué les conditions dans lesquelles s'étaient passées les deux dernières étapes. Quant à Merckx, 7e du Tour méditerranéen, 9e au sommet du Mont Faron, 5e du Tour du Haut-Var et 7e de la semaine catalane où deux fois aussi très bien classé dans les grosses étapes. Les deux hommes continuent à se relayer. Il leur reste un petit 20 km. À deux, à collaborer avec un peloton qui est évidemment très près d'eux. 20 secondes derrière au dernier pointage. Non, l'écart augmente entre Merckx, Verbrugge et le peloton. Désormais 22 secondes, ils ont doublé leur avantage. 22 secondes d'avance pour Merckx et pour Verbrugge. Et une minute de retard désormais sur Roomsas et Boardman. À partir de maintenant, top entre les deux hommes de tête et nos deux Belges en poursuite. L'écart ne va plus se compter en minutes mais en secondes. Je suis quand même surpris par la performance de Boardman et Roomsas parce que... Il était quand même temps de réagir, hein. Oui, parce que s'il n'y avait pas eu tout à l'heure les deux télécoms et les deux Liquigas pour rouler derrière, là maintenant je me pose la question, s'il n'y avait pas une réaction de Pévenage, c'était peut-être la bonne échappée. Oui, beaucoup plus costaud que certains le croyaient. Beaucoup plus costaud, et je suis le premier surpris parce qu'en général,
quand il y a une échappée matinale, on voit ces gens, ces coureurs s'effondrer, s'éteindre. Et là, ils tiennent encore vraiment le haut du pavé. Ils ont encore plus d'une minute d'avance et c'est quand même un petit 20 km de l'arrivée. Trois Rabobank parmi les quatre premiers, en deuxième position un équipier de Vinokourov. Regardez les écarts, 24 secondes entre Merckx-Zurbrugge et le peloton, 58 désormais par rapport aux hommes de tête. Psychologiquement, Jean-Luc, pouvoir revenir sur les deux premiers avant d'être repris, bien sûr, c'est sans doute l'objectif. Maintenant, on assiste à une course-poursuite, Bormann-Rumsas contre Axel et Rick Verbrugge. Rick et Axel ne doivent pas se poser de questions, ils doivent rouler. On n'en est pas là, mais imaginez Verbrugge et Merckx disputer la victoire ensemble au pied du mur de Wies. Je crois que ça serait vraiment une passe. On n'en est pas là, mais de toute façon, ils essayent et il y a des coups de panache comme ça, on aime beaucoup, mais on attend la réaction évidemment derrière des favoris. L'avantage, répétons-le, c'est que dans l'équipe Mapei, il y a Pettini et Nocentini, ce qui est qualitativement pas mal, quantitativement un peu peu, mais il y a encore des équipiers aussi de Verbrugge derrière. On a vu Verheyen qui était peut-être en réserve, celui qui est le mieux. Regardez, c'est Verheyen qui est toujours là en 6e position, Dottbacher est 2e. Et on voit encore là en permanence les Rabobank. Et les télécoms. On doit voir une réaction de télécoms et de Rabobank. Et la ANSE se désintéresse complètement depuis un bon moment de la situation. Tout à fait. Et Rabobank qui a placé tout à l'heure Dunbaker en contre-attaque. Maintenant, ils se sont fait contrer sur le coup d'Axel et de Rick Verbrugge. On doit s'attendre maintenant dans la côte d'A1 une réaction de leur part. 1:35, ça fait 40 secondes maintenant de retard pour le peloton. C'est clair, Merckx et Verbrugge vont plus vite pour le moment, beaucoup plus vite que leurs poursuivants. Et plus que jamais, je demanderai à nos amis d'Organisport de nous donner des écarts. Hein. Je crois que dans ce contexte-ci, c'est vraiment très 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 important. Et toujours Rumsas Bormann. Ah, il est évident, j'insiste, que les références de Bormann, on ne doit plus les donner. Une carrière vraiment exemplaire. Et Rumsas, on en reparlera. C'est un coureur qui a beaucoup, beaucoup d'avenir, même s'il a déjà 28 ans. Et regardez derrière la différence, évidemment, il y a une différence de fraîcheur, c'est tout à fait normal. Et la détermination. Deux coureurs dont on peut faire la même remarque. On leur dit, il leur manque une chose, c'est la puissance. Oui, peut-être la puissance. Ce sont des coureurs qui ont peut-être... allez, on ne peut pas faire la comparaison avec des Frank Vandenbroek, ils ont leur propre qualité. L'année passée, Axel a connu une année difficile. Maintenant, on le voit, il est beaucoup mieux. Rick Verbrugge aussi, mais c'est des coureurs qui doivent tirer profit de leurs conditions d'aujourd'hui et ils le font très bien avec ce jeudi. Tout à l'heure, ils ont bien anticipé. Maintenant, j'espère pour eux qu'ils puissent garder encore une poignée de secondes avant d'entamer la côte de Benahin. Parce qu'il me semble qu'il y a une réaction du peloton. Hein. Alors, on est tout près, je pense, de la côte d'A1. Regardez le peloton qui est à 16 plus 12. Faites le calcul à 28 secondes. Stabilisé aux alentours des 30 secondes, les cas, mais regardez comme ça roule. Hein. Oui, ça roule tout en file indienne, ça veut dire que ça va très vite, l'allure est très rapide dans le peloton. Regardez, pratiquement tous les coureurs roulent en roue. Ça, c'est un signe que le peloton roule là certainement à plus de 50 à l'heure. Sur une portion très roulante aussi. Très roulante, mais c'est en désavantage des hommes de tête. 33 secondes, c'est le retard de notre duo belge par rapport aux hommes de tête qui risquent peut-être de pouvoir profiter. Alors c'est ça la façon de gérer ici. Pouvoir encore donner les coups de pédale suffisants tout en gardant des réserves parce qu'il reste deux bosses. Oui, mais il faut tout donner. Tout donner, Benahin, passer Benahin et ensuite arriver avec des ressources nécessaires pour faire cette escalade du mur de Huy qui est vraiment très particulière. La côte d'Ain, dont le sommet est situé à 11 km 500 de l'arrivée, 2600 mètres de long, à 5,69% de moyenne, 10% au début, 148 mètres de dénivellation, de dénivelé. Longue discussion à ce sujet des mathématiciens, on ne va pas entrer dans le détail. C'est la pénultième difficulté de cette flèche wallonne. Très spectaculaire, très indécise. Je vous rappelle le point de la situation, Rumsas et Bormann avec une poignée de secondes, moins de 30 maintenant sur Merckx et Verbrugge. Le peloton est à une minute, une grosse minute. Et tous les favoris, tous sont dans ce peloton, à l'exception de Kleuden, victime d'une chute et qui a abandonné. Et on nous remontre encore ce visage concentré de Rumsas
encore très en ligne sur le vélo, très esthétique après autant d'efforts, après plus de 150 km d'échappée à deux parmi les monts, parmi les côtes ardennaises. Et là, à quelques centaines de mètres, voilà évidemment, c'est l'image traditionnelle de ce pont, objet de la fierté utoise, le pont Aubanais, conçu autour d'un seul pylône. Sa construction a mis en vedette une étonnante technique de rotation du tablier du pont, long de 341 mètres, Bénin, 24 km de l'arrivée pour la localité. Mais ici, on est encore beaucoup plus près. On va aller chercher donc la côte d'Ain, Vorbrugge et Merckx qui se relaient. Ils passent exactement à l'endroit où on avait quitté les deux hommes de tête. Un écart stabilisé à 30 secondes pour le moment. Trentaine de secondes. Et vous voyez que Merckx est en contact avec son directeur sportif. Et Vorbrugge connaît la région comme sa poche. Le peloton à 1 minute 06. Je regardais la dernière victoire de Merckx. Eddy, bien sûr, remonte à 1972. Ça fait 28 ans. Eddy avait gagné encore une fois il y a 30 ans. Et la première fois, il y a 33 ans. Donc, quand Eddy Merckx a remporté sa dernière, sa troisième et dernière victoire, Axel n'était pas encore né. Oh oui, c'est quelque chose d'extraordinaire de voir le fils arriver et être aux avant-postes de cette course. Ils sont bien, nos deux Belges. Regardez comme ils roulent bien. Ah, c'est une superbe entente, une superbe collaboration. Et quoi qu'il arrive, messieurs, eh bien, vous nous aurez fait vibrer et vous aurez tenté votre chance. Et ça, on ne pourra pas vous l'enlever. Mais j'imagine bien qu'aussi près de l'arrivée, alors qu'on est ici à 13 km de l'arrivée, dans l'avant-dernière, c'est la dernière difficulté avant le mur de Huy. J'imagine que plus que jamais, vous y croyez, que vous vous dites au fond de vous-même tous les deux, eh bien voilà, peut-être qu'on n'a jamais été aussi près d'en gagner une belle. Peut-être, mais le plus dur commence, le plus dur, les motos passent. Ah, il y a une petite mimique d'Axel qui en dit long. Oui, mais nous sommes en pleine finale, ils sont devant, ils doivent absolument essayer de franchir cette difficulté. Il y aura une réaction du peloton, faut savoir qu'entre le groupe de tête et le peloton tout à l'heure au pied, c'était 1 minute 6, 1 minute 6 peut-être, maintenant c'est déjà en dessous de la minute, mais ils doivent vraiment vider leur trip, ils doivent y aller, ils sont dans le rouge là, c'est très difficile. Alors l'image de Maurice. On a envie de découvrir le peloton le plus tard possible. Mais Rodrigo ? Oui, Laurent ? Ils viennent de faire passer les motos qui étaient derrière Vorbrugge et Merckx. Et je peux vous dire que le duo est à un point de mire, Boardman et Rumsas. Vinokourov attaque. Attaque de Vinokourov. Oui, on voit cela, Laurent, merci. Vinokourov, il n'y a que lui pour exploser comme ça. Tout à l'heure, la manière que le... Ah, c'est que ça leur fait peur, ça lui fait peur, les deux devant. Ah bah oui, mais maintenant, il ne faut plus attendre. Si maintenant, tout à l'heure, les télécoms ont pris la course en main, la chasse en main, c'est pour faire quelque chose. Et là, tout à l'heure, déjà, il n'y avait pas de télécom sur l'attaque de Vorbrugge et d'Axel Merckx. Maintenant, ils doivent y aller. Hein. Alors là, quand Vinokourov sort, s'ils ont de l'ambition, ils doivent en avoir. Bogert, Jalabert, Rebellin ou Bettini doivent aller dans la roue. Alors, qui va derrière ? Et c'est Bogert avec Rebellin justement et Bettini, c'est amusant. Maintenant on va voir comment que ça va se passer, la réaction du peloton, s'ils vont se relever ou poursuivre. 14 secondes entre le duo de tête et le duo belge poursuivant. On se regarde un petit peu et c'est Chebaria qui va partir à gauche. On attaque à tour de rôle, on sent qu'il y a une rivalité terrible, il y a encore beaucoup de monde. Oui, on voit, il y a encore beaucoup de coureurs et il y a une rivalité. Tout à l'heure, Vinokourov se fait rejoindre, mais automatiquement, le peloton se relève. David Etchebaria, avec les deux étapes du Tour de France. Le puncher, et c'est Casagrande qui sort derrière, je crois. Casagrande qui est sorti, qui est donc mieux qu'il ne nous le disait. Attention, parce que lui, il a de la dynamite dans les jambes. Mais regardez, le moment au sommet où...
c'est pas encore le sommet, Rodrigo. C'est, on va virer à gauche, mais puis il reste encore certainement un kilomètre de faux plat. Ça aurait été l'idéal, c'est que ce soit le sommet, parce qu'alors avec des rouleurs comme Boardman et Rumsas, ils auraient encore pu les aider un tout petit peu jusqu'au mur de Wii. Et regardez ces vélos maintenant qui attaquent, qui contre. On nous montre encore Rumsas qui a lâché Boardman. Boardman qui craque, c'est bien normal. Je vous avais dit que Rumsas était à mon avis un peu plus fort, on en a la preuve. Rumsas aurait-il dû tenter de lâcher Boardman un peu plus tôt? On ne peut rien dire après une telle débauche d'énergie, d'effort, sinon tirer son chapeau. Merckx qui revient avec Verbrugge dans la roue. Tous les deux à fond, à bloc. Quel spectacle dans la côte d'un à 12 km 400 de l'arrivée. Il reste 900 mètres avant le sommet. Et regardez avec quelle facilité Casagrande revient. Oh là là, Francesco Casagrande. Là, on se posait des questions sur sa condition physique, mais là, maintenant, il vient nous prouver qu'il est en condition. Moi, mais attention, il va déposer tout le monde. Là, comme il est passé, je crois, Maurice, il faut montrer sa droite. On va déposer tout le monde, on va voir, Rodrigo. Il va essayer. Attention à Casagrande, et quand il est comme ça, c'est qu'il est dans un grand jour. Que vont pouvoir faire nos deux Belges face à Casagrande? S'ils ont encore de la force, ça peut les aider. En tout cas, il est très impressionnant parce que le fait qu'il n'y ait personne capable de prendre sa roue, ça veut tout dire Verbrugge qui va tout de suite. Mais ça veut dire que le peloton ne doit pas être loin derrière aussi. Hein. Casagrande, est-ce que ce serait l'apport providentiel pour nos deux Belges? Le peloton est juste derrière, juste derrière. Ça explose partout. Rumsas regarde Casagrande. Pour le moment, Verbrugge et Merckx doivent mordre sur leur chiffre véritablement pour garder le sillage de l'impressionnant italien. Celui dont Gianni Motta disait, il ressemble à un gars du Nord, c'est un peu Brick Scott. Regardez, Casagrande. Sixième ici en 94 et quatrième en 95, c'est son meilleur résultat. Il connaît quelques mètres d'avance, mais pas de Boger, pas de Jalabert, pas de Rebellin pour le moment. Ils font un gros effort, nos Belges, pour s'accrocher dans la roue de Casagrande. En tout cas, il n'y a rien à dire sur la course de Merckx et de Verbrugge. Ils ont fait ça très bien, bien avec du panache. Ils ont tenté quelque chose. Ce n'est pas d'ailleurs, c'est pas encore fini. Hein. Il bien sûr. Passer des choses. Hein. Et Rumsas qui essaye encore de s'accrocher entre le peloton les deux et les trois hommes de tête désormais. Casagrande, Verbrugge, Merckx. Et qui est-ce qui roule derrière? Ce sont encore des télécoms. On a vu que Vinokourov a essayé. Mais Vinokourov n'est pas parvenu à faire ce que Casagrande a fait. Vinokourov, ce sont des petits pétards. Tandis qu'avec Casagrande, c'était un gros coup de canon. Oui, mais pour l'instant, c'est l'avantage du trio de tête. Parce que regardez, derrière le peloton, il n'y a aucune entente. Ça roule de gauche à droite de la route. Et si Casagrande était l'homme providentiel? Quel superbe spectacle. Attention ce Casagrande, vous savez, c'est un coureur en Italie, plus sérieusement, on dit qu'il ressemble à Franco Pitossi, surnommé Cœur Fou. Il a les mêmes jambes explosives, la même accélération en montée. On se souvient que son printemps 98 avait été catastrophique. Il avait été positif à la nandrolone autour du Trentin et autour de Romandie, avec son rapport testostérone et bitestostérone. Mais le TAS, le tribunal arbitral du sport, a fait passer sa suspension de 6 mois, sanction de l'UCI, à 9 mois. Conséquence, il n'a pas pu faire de classique, pas de Giro. Mais l'année dernière, on se souvient aussi que son équipe avait été interdite du Tour de France en raison d'un hématocrite trop élevé de Gonchar, son équipier. C'était un coup dur. Lui qui était revenu justement de suspension en s'imposant brillamment dans le Tour de Suisse. Mais c'est un formidable coureur. Ses meilleurs résultats dans les classiques, 4e de Milan-San Remo, 4e et 6e de la Flèche Wallonne, 4e et 5e de Liège-Bastogne-Liège. Son seul podium, 3e du Tour de Lombardie. Et on avait beaucoup disserté là-dessus. Son équipe avait été exclue du Tour de France 99, mais pas l'équipe Mercatone et de Pantani qui lui aussi avait été pris au Tour d'Italie. Mais c'est un fantastique coureur. Hein. Et pour le moment, ça se regarde derrière. Ça se regarde derrière. On est peut-être en train de vivre un des moments clés. Il y a une rivalité. Les grands sont en train véritablement de... Ah, il y a des rivalités. C'est évident. Les grands se regardent. N'osent peut-être pas prendre leurs responsabilités. L'écart augmente. 20 secondes désormais. Alors qu'on peut dire vraiment que le peloton était revenu à quelque chose comme une poignée de 7-8 secondes peut-être du trio de tête. C'est dommage qu'il y ait cette réaction de Casagrande pour... Enfin, disons que pour nos deux Belges, Casagrande c'est un sérieux client maintenant pour la victoire finale. Mais sait-on jamais.
Bolt en dernière position. Regardez, ça roule plus du tout. Plus du tout. On croirait voir le peloton de Paris-Roubaix au moment où Musset est parti. À peu près, oui. On voit Demarbet en queue de peloton. Là, il est encore là, Demarbet. Il est là, Sébastien. C'est très bien. Ouais. C'est encourageant pour dimanche. 20 secondes toujours. 20 secondes. Si on avait... En tout cas, c'est peut-être le podium, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte dans quel ordre? On n'en est pas encore là. Axel Merckx, le numéro 1. Pour la première fois de sa carrière, son meilleur résultat ici, à Axel, il se l'était forgé l'année dernière, en se classant 14e. Rick Verbrugg, son meilleur résultat, l'année précédente 13e. Donc ils se tiennent vraiment de très près. 9 km 400, ça veut dire 8 km du pied. Ivanov. Ah, il y a Ivanov qui sort. Mais il faut dire quand même que les Rabobank et les télécoms ont beaucoup travaillé. Oui, et... La grande question qu'on se pose, parce que bon, c'est bien, émotionnellement, c'est merveilleux ce que font Verbrugge et Merckx, mais revenons un petit peu calme. La course, logiquement, quand un homme comme Casagrande sort, on s'étonne de ne voir ni Jalabert, ni Rebellin, ni Bogert dans la roue. Oui, c'est vrai que les favoris de cette course, Rebellin, Jalabert, quand... on se posait des questions sur la condition physique de Casagrande parce que je ne l'ai pas vu vraiment à son avantage dans les derniers résultats, mais sur son démarrage dans la Côte d'Ain, il a vraiment été impressionnant. Il est le seul à avoir bouché le trou avec une aisance incroyable. Il est sorti légèrement grippé du Tour du Pays Basque, où moi je l'ai vu sur certaines images presque à l'arrêt, dans certains cols, mais attention c'était dur, hein, le Tour du Pays Basque, c'était parfois même trop dur, estime les coureurs eux-mêmes. Et voilà Ivanov, le vainqueur du Grand Prix de l'E3 à Rolbeck, qui sort. Il aura fait un sacré printemps, mais vous voyez c'est comme d'habitude là, contrairement à Casagrande, et lui il sort un petit peu comme Vinokourov, il parvient tout de suite à créer un écart, à prendre 15-20 mètres, et puis après eh bien, il stagne, il ne parvient pas à revenir davantage. Donc trois hommes en tête pour le moment, dont l'étonnant Francesco Casagrande, qui est le seul et qui travaille beaucoup. Francesco Casagrande, qui enfant était carrément délinquant. Il jouait avec un lance-pierre, il jetait les canards du voisin dans une caisse remplie d'abeilles. Bref, c'était le gars qui faisait les 400 coules et la maman préférait voir son fils sur un vélo que dans les dancing, vous comprenez. Il faut savoir que c'est une famille, les Casagrande, et digne d'un film de De Sica, avec comme trois mots-clés, travail, famille, église. Le père Primo est un maçon, la mère Marcella a eu 6 enfants, Stefano c'est le frère aîné qui lui a transmis le virus, il y a Francesco que vous voyez là, il y a Filippo, il y a Fabrizio qui est le seul qui ne fait pas du vélo, lui il est acteur dans une compagnie de théâtre à Florence, et figurez-vous qu'il y a 2 sœurs encore dans la famille qui sont mariées à 2 anciens amateurs, c'est vous dire si dans la famille de Casagrande on ne parle que de vélo, mais c'est un des coureurs qui est les plus explosifs et je dirais que ce serait pas mal, mais normalement à la logique, si ces 3 hommes arrivent ensemble, il va falloir se farcir Casagrande qui normalement est nettement le plus costaud des 3. Ah oui, c'était un sérieux client, hein. Casagrande a déjà gagné, je pense, si je ne me trompe pas, en haut du Mont Faron. Donc c'est un coureur qui affectionne, qui aime ce genre d'arrivée et qui est seulement plus explosif que Merckx et Verbrugge. Aucun de ces 3 coureurs n'a jamais gagné une grande classique. Il y a un point commun entre Merckx et Casagrande, et tous les deux, 3e d'un Tour de Lombardie. Et Verbrugge, lui, c'est finalement dans une classique du Coupe du Monde, celui des 3 qui a fait le meilleur résultat, 2e de Saint-Sébastien. Oui, et je pense que Casagrande, quand il a gagné Saint-Sébastien, il était avec Axel. Hein. C'est exact. Ils arrivent à 2. Ils arrivent, oui, absolument. Absolument. Mais dans une finale qui est un petit peu différente. Oui, une dure avec le col à Saint-Sébastien, j'ai oublié le nom. Le Reiskibel. Et puis c'est une arrivée, je vais dire, les 10-15 derniers kilomètres. Plate. Regardez Merckx qui profite de... Il a fait beaucoup de pistes et c'est sans doute celui qui descend le mieux. Et sur cette portion-là, il est capable peut-être de prendre quelques mètres. Regardez. Mais moi j'ai l'impression que Rick Verbrugge a encore quelques réserves aussi. C'est l'impression qu'il me donne. L'impression, de toute façon, au niveau de ces 3 coureurs-là, au niveau fraîcheur, au niveau de la fraîcheur physique, c'est pareil. Hein, et
Rick a attaqué le premier, suivi d'Axel, et puis il y a eu un retour dans Bénin de Cassagrande. Bon, je vais dire qu'ils sont sur le même pied hein, au niveau de la fraîcheur physique. Merckx, Cassagrande. Et je vous disais qu'il était un tenable enfant, mais attention, aujourd'hui c'est devenu un asset. Hein. Il est vraiment d'une grande rigueur et il n'y a pas de secret. Cassagrande est pris en sandwich. Il reste 5 km, mesdames et messieurs. Et nous sommes, vous ne rêvez pas, en compagnie du numéro 1, Axel Merckx, qui n'était pas né lors de la troisième et dernière victoire de son papa, ici dans la flèche. Axel Merckx, avec Rick Verbrugge, qui est vraiment le régional, qui connaît tout cela comme sa poche, le mur de oui. Alors, c'est là, on ne peut pas encore analyser, parce qu'on n'est pas sûr que ces trois hommes vont se disputer la victoire. Mais le fait qu'Ivanov ne soit pas encore remis par le peloton, c'est pas très bon signe pour les favoris derrière. Non, ça veut dire qu'il y a la réaction du peloton se fait difficilement. Il est toujours seul derrière. Ça veut dire qu'il y a encore un écart entre Ivanov et le peloton. Si l'écart de 25 secondes entre Ivanov et les trios de tête, il doit être peut-être de 40 secondes avec le peloton. Alors imaginons Jean-Luc, que dans quelques minutes, ces trois coureurs, Merckx, Verbrugge et Cassagrande, se disputent la victoire sur l'ascension du mur de Huy. Intrinsèquement, le grand favori, c'est évidemment Francesco Cassagrande, qui a justement ses dons d'exclusivité super. Mais dans quelle mesure un garçon comme Merckx, survolté, ou comme Verbrugge, qui est celui qui connaît peut-être le mieux le terrain des trois, peuvent justement compenser cette petite déficience en principe, éventuellement s'imposer? Parce qu'ils doivent y croire, là, tous les deux, maintenant. Ils doivent y croire. Oui, mais c'est tellement particulier l'arrivée en haut du mur de Huy. Mais c'est vrai qu'arriver pour la gagne, il se passe des choses dans la tête. Il faut vraiment essayer de profiter de cette situation aussi, parce que c'est pas tous les jours qu'on va aborder le mur de Huy avec un trio pour la gagne. Et ils doivent vraiment vider les tripes pour essayer de... Mais ils ont face à... Avec l'Italien, avec Cassagrande, c'est un sérieux adversaire pour la victoire finale. En tout cas, aucun de ces trois hommes n'est jamais monté sur un podium dans une classique du printemps. Et il y a trois places forcément sur le podium, c'est ce qui doit peut-être les rassurer. Et pour la première fois depuis bien longtemps, l'équipe de Jalabert qui se met à rouler. Mais c'est un seul coureur qui roule. Oui, avec un US Postal dans la rue. Mais quelle magnifique finale! Mais ce qui est très important aussi à savoir, c'est que 20 secondes dans le mur de Huy, c'est beaucoup et peu à la fois, parce qu'un coureur explosif peut encore sortir du peloton et peut revenir facilement. C'est tellement raide que des écarts peuvent... Ah oui, quand vous aviez dit 2 minutes pour les coureurs qui étaient échappés, à la limite 28 secondes, il leur faudrait une minute pour être tout à fait à l'aise. Hein. Oui, certainement, sûr et certain, oui. Donc pas question, je dirais, de spéculer. Ah non, certainement pas. Hein. Car j'imagine que quelque part, eh bien, ces hommes au moins se diront, on va monter sur le podium et c'est l'objectif. Donc certainement pas de bataille tactique dans le mur. Quand j'ai dit 2 minutes, c'était pour les hommes de tête partis oui. Déjà depuis le matin. Et mais pour ceux-ci, une minute certainement. Oh. Pour être tranquille, pour je dirais. Pour être tranquille, oui. Alors le mur de Huy. Et maintenant, comme d'habitude. Il faudra voir quel écart sera au pied du mur. Quelle sera la réaction du peloton si maintenant le peloton met en ligne jusqu'au pied du mur. On est à 1000 mètres du début. Bon, il est vrai que le mur en lui fait 800 mètres à 16%. La totalité, y compris la montée de la rue du Marché, c'est 1,3 km, un peu moins de 10%. Et donc, il y a des passages à 19 et à 22%. Bref, comme d'habitude, le mur de Huy et le juge de paix, le Panthéon, la Flèche Wallonne. Cette difficulté aussi appelée la côte des Chapelles, une côte très raide, pour beaucoup ce sera un petit peu la guillotine, mais c'est là que tout va se jouer. Ça exige de la vitesse, du punch, on l'a dit aussi, et on va voir qui va se trouver étouffé, qui va plafonner. Cassagrande, qui est conscient que le plus dur, il est en train de le faire maintenant. Ils doivent certainement pas commencer à se regarder, hein. Ils doivent essayer de collaborer pour essayer d'arriver avec le maximum d'avance au pied. Hein. On y est pratiquement, Jean-Luc. Regardez. Pas encore. On doit encore passer en dessous de la banderole du kilomètre. Oui. 19 secondes. Ils ont repris 9 secondes les poursuivants. C'est très très peu. C'est 19 secondes sur Ivanov peut-être. Il faut voir. Si c'est un homme seul, c'est pas grave. C'est beaucoup plus grave. Oui, je crois que c'est Ivanov 19, mais le peloton 25, Jean-Luc. Donc de toute façon, ça se stabilise pour l'instant. Le maximum que ces trois hommes peuvent... Ivanov est repris maintenant. Donc le maximum que ces trois hommes peuvent espérer, c'est maximum 25 secondes pour le dernier kilomètre. Je le rappelle, Cassagrande est le grand favori si ces trois arrivent là.
Voorbrugge qui connaît ce mur comme sa poche. Merckx qui n'a jamais été dans une telle situation. Mais derrière tous les favoris qui maintenant ont très peu travaillé et qui ont encore de la force, de la puissance et qui vont tout donner sur ces rampes-là. Est-ce que ces trois hommes peuvent faire le coup d'Hamburger qui s'était imposé dans des circonstances un peu similaires, même s'il était parti quand même beaucoup plus tard, il y a 2 ans. 15 secondes seulement. Oh. Ils sont dans le mur. Il n'y a que 15 secondes. Ah, il faut y aller, hein. Mais c'est dur. Ces trois hommes qui vont être poussés par le public. Là, il n'y a plus rien à dire maintenant. Le plus fort émergera naturellement, tellement que c'est... Casagrande, Merckx, Voorbrugge, avec 15 secondes d'avance sur un peloton emmené par les favoris. Les Jalabert, Rebellin, Bogert se trouve derrière, Bettin y attend également. Sur toute la largeur, regardez, Verheyen est à droite, Vélo est là aussi. Mais à part Vinokourov, on ne voit pas trop. Est-ce que c'est pas Mario Hartz qui est revenu là, Jean-Luc? Si, si, c'est Mario. Mario est bien placé. Ça pourrait être une solution de rechange aussi. Il n'a pas dû donner le coup de pédale de trop pour le moment. Et on se regarde, toujours Casagrande. Non, regardez le visage d'Axel Merckx. Casagrande qui se retourne. Casagrande, Voorbrugge qui essaye de rester dans sa roue. C'est dur, tout le monde s'accroche, ils sont au maximum tous les trois. Là, à ce niveau-là, c'est chacun pour soi. C'est vraiment à l'arracher. Et Merckx va lâcher un tout petit peu. Regardez le fameux passage difficile. Vite et bien encore. Voorbrugge qui reste dans la roue de Casagrande. Merckx qui s'accroche. Casagrande est très costaud, il faut le faire pour rester dans sa roue. Voorbrugge, Merckx qui ne se laisse pas encore décramponner. Et derrière, Jalabert qui sort la vélo. Merckx légèrement lâché. Et pourtant il donne tout, mais Voorbrugge reste dans la roue de Casagrande. Où est la roue de Casagrande? Elle est là. Il la regarde. Magnifique rythme Voorbrugge. Et Merckx qui s'accroche un petit peu plus loin. Le public qui pousse véritablement les deux coureurs belges. Et Casagrande qui continue à faire la course en tête. Voorbrugge qui se retourne, ça n'est pas bon signe. Ça n'est pas bon signe. C'est ici que ça va devenir dur. Attention, le dernier passage. Là, Voorbrugge ne peut plus garder la roue de Casagrande. Et Casagrande qui s'envole. Mais que se passe-t-il derrière? Merckx à son rythme, essaye encore de relancer la machine. Et Voorbrugge ne peut pas accrocher, vous ne le voyez pas. Mais il est lâché, Casagrande s'envole. Casagrande donne l'impression d'avoir lâché Voorbrugge, qui aura tout donné jusqu'au bout. Francesco Casagrande. Et regardez Voorbrugge qui ne veut pas le laisser partir. Et pourtant il n'y a rien à faire derrière, ça va revenir. Et Jalabert va peut-être encore se classer deuxième. Voorbrugge qui s'accroche pour essayer de garder sa place, ce que ne peut pas faire malheureusement Axel. Voorbrugge qui s'accroche, regardez Jalabert, la facilité avec laquelle Jalabert termine, il va s'en vouloir, mais il est prêt pour les Jalabert léger. Casagrande qui s'impose, est-ce que Voorbrugge peut garder la deuxième place, la plus belle comme Vandenbroek il y a 2 ans? Oui, Voorbrugge qui est deuxième de la Flèche Wallonne, il a été étourdissant. Troisième Jalabert, quatrième Rebellin, cinquième Hart, sixième Farazijn, s'il vous plaît, septième Echevarria, huitième Gianetti, neuvième Frigo, 10e Axel Merckx. La 11e place est revenue à Barbero, la 12e à Bogert, la 13e à Kamenzint. Arrive maintenant Bettini, Nocentini, Verheyen. Jean-Luc, c'est la plus belle course d'ensemble du cyclisme belge sur la Flèche Wallonne depuis 10 ans. Oui, certainement, et surtout la manière de voir des Belges à l'attaque. On ne va pas parler du duo de tête Bormann-Roumsas, mais le fait de voir... Mais voici, regardez, voilà Roumsas qui passe maintenant avec Ivanov. Mais regardez, Voorbrugge est deuxième, Hartz est cinquième, voilà, Merckx est dixième, et si je ne m'abuse, il y a encore Farazijn qui est sixième. On a 4 Belges aux 10 premières places de la Flèche Wallonne, c'est du jamais vu depuis des lustres. Et surtout des Belges qui ont passé à l'attaque, des Belges qui ont fait la course, et ça c'est très important, parce que je dis, mis à part Roumsas et Bormann qui se sont échappés dès le départ, après 37 kilomètres, mais l'échappée, l'attaque de Rick Voorbrugge suivie d'Axel Merckx, il a fallu un tout grand Casagrande pour revenir dans la côte de Benahin. Et bon, c'était vraiment un sérieux candidat pour la victoire. C'est dommage pour nos deux Belges.
Et voilà Steve DeWolf qui arrive maintenant. Donc je rappelle que Casagrande est devancé Verbrugge, Chalabert, Rebellin, Hartz qui a vraiment fini très très fort. Est venu ensuite Farazay, puis Echebarria. La 8e place pour Gianetti, la 9e pour Frigo, la 10e pour Merckx, la 11e pour Haber, la 2e pour Bogert, la 13e pour Kamenitz. C'est ce qu'on a vu très vite, mais bientôt nos amis d'Organisport nous permettront éventuellement de vous confirmer tout cela. En tout cas, très 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 belle flèche wallonne. Et c'est clair, Verbrugge a essayé jusqu'au bout, mais Casagrande était le plus fort. Je crois qu'on a Laurent en ligne, non? Avant le podium, mais deux phrases quoi. Après, deux questions. Ouais, rapide, une impression. Bientôt on va avoir Laurent avec le vainqueur, je crois. C'est à vous Laurent, on vous écoute. Ah, mais je n'ai pas encore le vainqueur, Rodrigo. Il est toujours dans le mobil-home en train de se laver, de se rafraîchir, il va arriver. Et donc ce qui est prévu, c'est une interview rapide avec Casagrande avant de vous l'emmener pour ses impressions plus complètes sur cette victoire. Merci. En tout cas, je vous signale que Casagrande offre à l'Italie un 14e succès dans cette flèche wallonne et succès donc à Bartoli. C'est un 12e vainqueur différent. Il y a eu Camellini en 50, il y a eu Coppi, Poggiali, D'Ancelli, Moser, Saroni, Beccia, Furlan, Von Driest, Argentine bien sûr trois fois et Bartoli lui a deux reprises. Il est le cinquième coureur italien à s'imposer au sommet du mur de Huy après Furlan, Von Driest, Argentine et Bartoli. Les Italiens sont les rois, mais les meilleurs résultats belges depuis Criquillon, c'était il y a deux ans Vandenbroek deuxième et l'année dernière Hartz troisième. Aujourd'hui, on se retrouve avec la deuxième place de Rick Verbrugge, avec la cinquième de Mario Hartz, la sixième de Farazay, qui est encore dans les 30 premiers de Paris-Roubaix dimanche, et la dixième de Merckx, à qui il a manqué, mais disons, pour être sur le podium, il lui a manqué 50 mètres, mais ça n'enlève rien à l'ensemble de la course. Et citer les résultats, c'est une chose, mais aussi au niveau du déroulement. La course Vermaut a bien lancé la course. On a eu vraiment, d'une manière générale, une course intéressante, mais peut-être un petit peu décevante quand on voit la facilité avec laquelle Jalabert termine. Jalabert, Rebellin, Bogert un peu moins bien. Les favoris se sont quand même fort regardés aujourd'hui. Oui, beaucoup de coureurs au pied du mur de Huy. C'est vrai que je m'attendais à voir une course entre les favoris, une plus belle course. Peut-être que ces coureurs, les favoris, ont pensé plus à Liège-Bastogne-Liège qu'à la Flèche Wallonne aujourd'hui. Mais moi, je retiens qu'une chose, c'est la performance de nos deux coureurs belges, Verbrugge et Axel Merckx. Parce que même si Axel Merckx se fait rejoindre ici dans les 100 derniers mètres, c'est sûr, c'est dommage pour Axel qui n'a pas terminé troisième, mais la manière y était. En tout cas, Francesco Casagrande remporte ses tourons, son 30e succès professionnel. On va donc passer Jalabert, Rebellin, Hartz, Farazayn, Echebarria. Ah, il y a Frigo là. Ouais. Et puis c'est Gianetti. Et puis Merckx, c'est bien les 10 premiers, comme on les avait eus. Voilà. Et donc, 30e succès professionnel pour Casagrande, qui avait gagné chez Mercatone en 93 la dernière étape du Tour des Pouilles. 4 victoires l'année suivante, le Tour de Toscane, Tour d'Emily, Memorial Nencini, 2 étapes du Trophée d'Escalatore, Milan-Turin, Florence Pistoia. 5 victoires en 95, une étape du Tour de Calabre, le Tour des Apennins, la Coppa Placci, le contre-la-montre de la côte de Fuda, Florence Pistoia. Tout ça, ce sont des courses où ça monte et ça se termine en côte, hein, c'est pas un hasard. Et Laurent. Et voilà, on est avec Francesco Casagrande qui théoriquement doit venir va chercher ses lunettes, ses félicitations. Donc théoriquement il devrait arriver. Francesco. Voilà, j'ai Francesco à mes côtés. Francesco, une superbe course et une super victoire ici au sommet du mur de Huy dans cette flèche wallonne. C'est la joie. Oui, on vous voit, on vous voit. Io buono. Sì, per me il muro di Huy è una gara importante perché ci tengo molto a Freccia Wallonna perché per me è molto bella. Je l'aime beaucoup parce que pour moi elle est vraiment très belle. Alors, vous êtes venu ici, mais quels sont, est-ce que vous n'avez pas dépensé trop d'énergie pour Liège-Bastogne? Vous êtes encore en forme pour Liège-Bastogne dimanche? Sì, è una bella gara anche la Liège-Bastogne-Liège, però è importante gagner oggi la vittoria, ci sono riuscito, per me sono contento. Voilà, et j'ai Laurent Jalabert à mes côtés aussi. Voilà, ce qui compte surtout, c'est d'avoir gagné cette course qui pour lui est très belle. Allez-y, je vous en prie, Laurent. Laurent, vous êtes ici une super performance sur la Flèche Wallonne que vous avez déjà gagnée, mais on sait que votre objectif, c'est Liège-Bastogne. Oui, bon, la Flèche, c'est une grande course. Et je voulais pas dépenser trop d'énergie parce que je me sens un petit peu fatigué après un tour du Pays Basque où j'accusais un petit peu la fatigue. Et bon, j'ai attendu vraiment la dernière montée.
pour saisir l'opportunité. Mais bon, il y avait les trois échappés devant. Ils avaient pris un petit peu trop d'avance. Mais bon, c'est vrai que Liège, c'est une course beaucoup plus longue et plus difficile. Et je pense que c'est important de garder un petit peu d'énergie. Vous serez le favori numéro 1 de Liège avec Boguer. Je pense que... Ouais, quoi qu'il en soit, de toute façon, je fais la course pour essayer de gagner, mais je ne me considère pas comme le favori numéro 1. Je crois que Bogert est très fort, Rebellin aussi. Casagrande aujourd'hui l'a démontré, donc il y a énormément de favoris. Même s'ils ne sont pas aussi nombreux que ça, c'est une course quand même difficile et assez ouverte. Merci Laurent. Oui, voilà, donc une course, moi je dirais, en voilà, Van de Wauwer. J'ai Rick à mes côtés si vous voulez. Oui, mais vous allez nous l'amener, hein, si vous voulez bien, jusqu'ici avec Axel, comme ça on va essayer de les avoir tous les deux en même temps. Hein. Vous dites à Rick de venir nous rejoindre. Vous pouvez même nous l'amener si vous voulez, Laurent. Ok, il va devoir aller au podium alors. Mais juste ses impressions, une super course. Un mot avant de retourner faire une interview plus longue avec Rodrigo. Une super course et un super final pour vous, Rick. Bah, c'est vrai que faire deuxième ici, Casagrande et juste devant Jalabert, c'est vraiment un tout bon résultat. Claudie, vous avez dit comment aborder le mur. Vous êtes parti très tôt. Bah, j'ai abordé à chaque fois le mur devant. Et pour la dernière fois, c'est au jus qu'on monte. Et au Casagrande était trop fort pour moi. Merci Rick. Voilà Rodrigo, vous aurez Rick tout à l'heure. Je vous l'amène avec Axel pour une interview plus longue, pour des conclusions plus importantes. Directeur, François Lagoutte, qui adresse l'invitation donc au vainqueur des mots, Asmondas Roms, le coureur lituanien, qui, rappelons-le, avait notamment brillé dans du Tour de Pologne, où il fait le vainqueur, il est récompensé donc par la redoute. Et après, eh bien, je fais le podium de l'édition de Lille, à savoir sur la Claude Marche, Francesco Casagrande, sur la deuxième marche, Rick Verbrugge. Et sur la troisième marche, Laurent Krug, dans le meilleur classement, est devenu place 13e. Et aujourd'hui, Casagrande qui est vraiment un pur sprinter, ses bosses sont vraiment pour lui. Disons qu'il n'y a pas grand-chose à faire. On a vu que vous vous battiez vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde dans ce mur. Vous avez tout donné. Vous avez envisagé vraiment la victoire au moment du pied. Vous étiez au pied du mur. Je savais que ça allait être très difficile contre Casagrande. Mais j'étais bien passé les deux fois le mur. Je pense que c'est la meilleure journée que j'ai eue depuis que j'ai fait la Flèche Wallonne. Et oui, il faut toujours y croire. Il faut toujours aller à fond. C'est pour ça, avant le mur de Wii, j'ai vraiment tout donné parce que, quitte à être sur le podium, autant rouler à fond et jouer ma carte à fond. Pour une fois que je peux jouer ma carte, c'était à moi de montrer que j'étais capable d'être à l'attaque et d'être devant. Bon, je pense que c'est chose faite, mais là, on verra bien. Voilà avec ce numéro 1, finalement vous êtes 10e, malheureusement il y a un petit zéro après. C'est de loin votre meilleure performance de la vie dans la Flèche Wallonne, mais on a aussi constaté cette harmonie, cette remarquable entente qu'il y a eu très vite. Vous n'avez pas besoin de vous parler avec Rick Verbrugge, hein, vous êtes compris tout de suite. Disons que c'est à ce moment-là, à partir du moment où on est tous les deux ensemble, on se retrouve un peu dans le même bateau. Il faut vraiment y aller à 100% parce que c'est la Flèche Wallonne, il faut tout donner. Bon. Faudrait-il pas plus souvent vous donner le numéro 1 quand on voit ce que vous faites, quand vous avez ce dossard-là? Je suis 10e, j'ai pas gagné, donc je pense que la condition est bonne, mais il faut rester les deux IP sur terre. À la fin, j'étais vraiment très fatigué, je commençais à avoir un peu de crampes aussi, donc sur le mur de Wii, vous savez, quand vous avez des crampes déjà un peu avant l'arrivée, c'est pas vraiment bon signe. Et j'aurais peut-être pu rester un peu plus dans les roues avant le mur de Wii, mais bon... Il faut jouer à fond, il faut essayer de gagner, de jouer pour la gagne et rester dans la roue, c'est pas vraiment mon caractère. Une question, vous commencez à vous connaître de mieux en mieux, vous connaissez de mieux en mieux votre corps, forcément. Dans quelle mesure, lorsque vous dites que Liège-Bastogne-Liège vous convient mieux que la Flèche Wallonne, les efforts accomplis aujourd'hui pourraient ou ne pourraient pas être préjudiciables pour dimanche? Je ne veux pas commencer des polémiques, mais je pense qu'un coureur cycliste a plutôt l'habitude de faire plusieurs efforts par semaine, contrairement à d'autres sports. Mais bon, je ne jette pas la pierre à personne, mais 3 jours entre deux épreuves, je pense que ce serait possible.
quand on fait le métier à 100% et on se soigne pendant 3 jours, je pense que un bon repos et normalement dimanche, il faudrait être fin prêt. Et donc un Axel avec un moral et plus serein peut-être que les autres années. Moi, c'est mon impression. Plus serein, mais je pense que aussi plus fort. Je me sens plus fort que les autres années. Je pense que j'ai vraiment bien amélioré par rapport à l'année dernière. On verra l'année prochaine. Pourquoi? On verra dimanche. Hein? On commencera par dimanche et puis je pense qu'il faut continuer à travailler dans ce sens-là et qui sait, un jour. On fixe rendez-vous en tout cas dimanche. Merci de nous avoir fait vibrer. Voilà maintenant que Francesco Casagrande vient nous rejoindre, le vainqueur du jour. Voilà Francesco, comment vous avez vécu l'ascension du mur de Huy, vous, Italien, en Belgique, avec Merckx, le fils de Merckx, et Verbrugge en Wallon. Vous étiez comme une équipe de football qui ne jouait pas à la casa, qui ne jouait pas à la maison, c'est ça? Sì, diciamo, il muro di Huy è una grande salita. E io sono provato sull'ultima salita e in cima alla salita ho preso Verbrugge e Merckx e siamo venuti fino a sotto al muro di Huy dove il gruppo dietro era molto vicino e io ho provato a allungare a tutta, visto che rinveniva molto bene Jalabert, ma ho ottenuto per la vittoria finale. Comment c'est possible que Jalabert et Rebellin, comment ça se fait qu'ils ne vous ont pas accompagné, qu'ils n'ont pas pu aller dans votre roue, parce que vous étiez plus fort? Je pense que quand ils sont partis, forse pensavano che era un po' presto, perché c'era molto beaucoup de vento in faccia, però tenevo la gamba buona e ho detto provo per provare a vincere se non riuscito. Oui, en fait, quand je suis sorti, c'est important, on ne le voit pas toujours à la télévision, il y avait le vent de face, et je pense que mes adversaires, dit-il, n'ont pas cru. Ils se sont dit non, ça ne va pas marcher, etc. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pris ma roue, et moi, ça a bien marché. Vous étiez sûr de pouvoir battre Merckx et Verbrugge dans le mur de Huy? Vous êtes plus explosif, vous avez des jambes plus fortes que eux. Vous étiez sûr de votre victoire dans les derniers mètres, oui? Ma è logico, era tutta anche io, ma dietro c'era Verbrugge che mi teneva molto bene la ruota, però gli ultimi 200 metri ho sparato tutte le forze che avevo e sono riuscito. Oui, j'étais surpris parce que ce Verbrugge, eh bien, il est quand même resté longtemps dans ma roue et alors j'ai tout donné là, vous le voyez là sur ces images, les 200 derniers mètres, là j'ai vraiment tout donné à fond et tout ce que j'avais dans les jambes, et là j'ai quand même pu le décramponner et m'imposer. Vous gagnez une course que Francesco Moser a gagné, une course que Moreno Argentine a gagné, que Bartoli a gagné. Tous les grands Italiens gagnent la Flèche Wallonne. Mais le vainqueur de la Flèche Wallonne ne gagne jamais, plus jamais Liège-Bastogne-Liège après. Après la Liège-Bastogne-Liège, j'ai disputé beaucoup de volte la Flèche Wallonne et c'est faire 4e deux volte, 6e. E j'espérais de vincere una volta per me nella carriera e sono riuscito, e per me è importante poi avanti anche Liège-Bastogne-Liège. C'est la première classique internationale qu'il remporte, on le félicite. Francesco Casagrande est très sympa et surtout très brillant. Et on va enfin accueillir maintenant le numéro 2, l'homme qui a fait la plus belle course d'un jour de sa vie. Oh, certes, il était deuxième à Saint-Sébastien, Eric, mais enfin, c'est pas la même chose. Et vous étiez battu par qui? Casagrande, deux fois. C'est devenu votre bête noire. Bah, tant mieux, hein. Un coureur comme ça, c'est quand même un des meilleurs coureurs mondiaux, donc c'est bien de faire deuxième derrière lui. Quoique la victoire, c'est mieux, mais bon. Alors, votre avis, Casagrande avait déjà battu Merckx aussi, d'ailleurs, à Saint-Sébastien. Donc, vous êtes d'abord très, très bien entendu, Axel et vous. Vous avez compris que vous avez votre intérêt. Quelle a été votre réaction quand vous avez vu revenir Casagrande? C'était plutôt positif ou plutôt négatif? Ouais, c'est-à-dire, moi et Merckx, on est partis plus ou moins au même endroit, à 30 km de l'arrivée, et on s'est vraiment bien entendus tous les deux. Donc à ce moment-là, si on arrive sur la dernière montée, on a c'est 50%, 50% pour chaque coureur. Mais là, Casagrande est rentré à 10 km de l'arrivée, et il était quand même un peu plus frais que nous. Et là, ça devenait difficile, quoique j'ai quand même accroché assez longtemps, mais bon,
il était plus explosif que moi sur les derniers 200 mètres. Quand vous dites merci, moi on est parti à peu près en même temps, c'est pas tout à fait vrai. On peut quand même rappeler que c'est vous qui avez été l'instigateur, c'est échappé, et Merckx est revenu après, et puis Casagrande, mais c'est vous qui avez tout déclenché. S'il fallait donner un prix spécial, mais peut-être que vous l'auriez assis. Voilà, ça vous fait une belle jambe, vous êtes deuxième. On dit que c'est la plus mauvaise place. C'est la deuxième fois que ça vous arrive, on insiste, dans une grande classique. Vous êtes de plus en plus près, et pourtant, vous avez senti certainement ce public qui vous était favorable dans l'ascension. Jusqu'à quel moment vous y avez cru? Ouais, c'est vrai que le public ici, ça criait très très fort dans la dernière montée. Et... Ouais, tant que je restais accroché dans la roue de Casagrande, et je me suis dit peut-être qu'il va avoir un petit passage à vite, mais au contraire, il a accéléré et j'ai pas pu tenir sa roue. Et bon, voilà. Alors, les efforts effectués aujourd'hui, vous n'allez pas les payer dimanche. Dans la forme que vous avez, on peut vous attendre comme ça, parce qu'en plus de la forme, maintenant, j'imagine que psychologiquement, cette deuxième place, c'est un coup formidable devant votre public. C'est vrai que ça a un coup au moral. Et je marchais déjà bien depuis quelques semaines. Au Critérium International, je fais cinquième. Au Pays Basque, j'étais toujours avec les meilleurs. Et ici, à la Flèche, ben, je fais deuxième. Donc je pense que c'est positif pour l'avenir. Il y a un déclic, votre carrière va prendre une dimension nouvelle aujourd'hui? Ben, j'espère, on ne sait jamais, mais bon, il faut rester les pieds sur terre aussi, il faut continuer à bien travailler et donner le meilleur de soi-même. Oui, parce que derrière Verbrugg deuxième, il y a Hart cinquième aussi. Ça, c'est quand même bon signe. C'est collectif. Je disais Farazin sixième, Merckx dixième, 4 Belges dans les 10 premiers. C'est tout neuf aussi, ça. C'est vrai, il y a peut-être longtemps que c'est plus arrivé, mais il y a une nouvelle génération qui arrive et je pense que c'est bien pour le cyclisme belge. Merckx Eric Verbrugge de nous avoir fait vibrer comme ça tout au long de cet après-midi. Et regardez, vous découvrez ces images. C'est vrai qu'on a rarement l'occasion de le faire, Eric. Hein. C'est le moment clé. Et là, on est quand même encore à 25-30 km de l'arrivée. C'est l'antépénultième difficulté. Il faut oser sortir à ce moment-là. Que ça vous inspire, ces images-là? Bah, cette bosse-là, je la connais très bien. Je l'ai montée souvent à l'entraînement. Et... Boisseau. Oui, la côte de Boisseau. Et c'est souvent un moment clé de la Flèche Wallonne. Et il n'y a personne qui a osé prendre l'initiative. Et je me suis dit peut-être qu'il y a un coup à jouer. Et j'ai pas hésité. La réussite ne sourit qu'aux audacieux. Vous l'avez été. Il ne vous a pas manqué grand-chose. Mais on croit que vous pouvez la gagner une fois. On va faire la conclusion avec merci avec Jean-Luc Vandenbroucke qui nous a accompagnés tout au long de cet après-midi. Et qu'on retrouvera évidemment avec Eddy Merckx dimanche, deux consultants de choc. Mais oui, Jean-Luc, j'ai envie de dire, on était venu avec des pieds de plomb en se disant Schmil n'est plus là, Musset n'est plus là, Van Petegem n'est plus là. Et comme nos meilleurs, dont bien sûr Frank Vandenbroucke n'est pas non plus, que Hart n'est pas bien, on va parler des autres. Et finalement, ça a été tout à fait l'inverse. C'est gai de se tromper comme ça. Oui, c'est gai de se tromper. Bon, moi je vais retenir la victoire de Casagrande, bien sûr, mais surtout la prestation de nos coureurs belges et certainement les ambitions de Merckx et de Verbrugge aujourd'hui. C'était vraiment agréable de commenter une finale pareille avec des coureurs belges aux avant-postes. Et voilà, et la conclusion, c'est de se dire aussi que ce Francesco Casagrande, avec son talent, avec tout ce qu'il a fait, méritait bien d'enfin gagner une grande classique du printemps. C'est fait. Avant de se quitter, le rendez-vous, il est très important parce que toute l'équipe sera là, c'est dimanche. On vivra les 120 derniers kilomètres de la Doyenne ensemble. On sera déjà ensemble avec un avant-coureur. Si je ne m'abuse, dès 13h30 avec Vincent Langendries, des invités en studio. On vous a parlé de Jean-Luc Vandenbroucke, d'Eddy Merckx, il y en aura d'autres. Laurent Bruvier sera sur la moto. Et donc, au cœur de la course, Maurice Loiseau et Thierry Delru seront là aux manettes pour vous faire vivre tout ça. Merci à toute l'équipe. On sera la même équipe, encore plus en forme dimanche pour vivre la Doyenne depuis le mur de Huy. Jean-Luc Vandenbroucke, Rodrigo Vénquez, Maurice Loiseau et toute son équipe. Au revoir, à bientôt. À bientôt pour un autre grand moment de sport avec Open Life de la Banque.